va. Alors. Bonsoir le 27. Bonsoir Chouquette. On va faire animation aussi ce soir. Eh ben, je vais introduire peut-être un petit peu la soirée. Bonsoir à toutes et à tous déjà. Bonsoir les gens qui nous regardent sur Twitch. Le temps que les gens arrivent, on va peut-être introduire. Et alors, est-ce que vous avez tous déjà assisté à une conférence gesticulée? Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, on va peut-être parler de ça. Et les conférences gesticulées, c'est, si vous voulez, un petit peu la rencontre entre le stand-up, le one-man show, le théâtre, en fait, et la conférence. Dans conférence gesticulée, il y a conférence. C'est-à-dire qu'on va apprendre des choses. Mais il y a aussi gesticuler, quoi. Donc on va apprendre des trucs en rigolant. C'est un petit peu le pendant live de la vulgarisation qu'on peut voir sur YouTube en ce moment, quoi. Alors le monsieur qui a créé ça, il s'appelle Franck Lepage. Alors lui, il dirait pas tout à fait. Comme moi, il dirait pas que c'est du théâtre, etc. Non, lui, il dirait que c'est un objet public, politique, partagé. Parce que c'est aussi un moment citoyen où on va essayer de se réapproprier des questions importantes, des questions intéressantes, des questions, je dirais citoyennes, pour pas dire un gros mot politique, mais voilà un peu ce qu'il en est. Donc bienvenue dans cette grande agora au 27 ce soir, qui nous accueille. Donc il y a plein de conférences gesticulées qui existent, hein. Il y en a à peu près 500 qui existent et qui tournent, 500 francophones, donc qui vont tourner dans l'espace francophone, surtout en Europe. Donc c'est souvent des gens qui parlent, qui vont parler de leur travail et de ce que les réformes politiques font à leur travail, ce que le capitalisme aussi fait à leur travail. Une super conférence que je peux vous conseiller, tiens, un petit conseil aujourd'hui ce soir, qui s'appelle « Je vous prête ma blouse ». C'est une conférence d'une personne qui est aide-soignante et qui vous parle de ce que, par exemple, la tarification à l'acte dans les hôpitaux a fait à son travail, qu'est-ce que ça a fait concrètement. Il y a une conférence qui est sortie récemment également sur l'écologie. C'est une personne qui fait de la médiation dans les parcs naturels régionaux auprès des jeunes, hein, et donc qui parle de ce que c'est que de transmettre aux jeunes ce que c'est que la défense de l'environnement. Enfin voilà, c'est très très large. Moi ce soir je vais vous parler de chiffres et de statistiques. Ne fuyez pas. Tout va très bien se passer. Et donc bah, pour commencer, messieurs, dames, quelques chiffres. En France aujourd'hui, 9 emplois sur 10 sont créés sous le statut de CDD ou d'intérim. Ce sont des emplois précaires. Pourtant, 77% des gens salariés sont en CDI ou sont fonctionnaires. Au premier semestre 2020, le PIB a chuté de 19%, et c'était une catastrophe. Ça a eu pour incidence une augmentation de 14% du taux de chômage. Alors en 2021, on pressent que le PIB croîtra de 6%, mais que ça aura pour incidence une multiplication par deux de l'inflation. Alors, selon un récent sondage, 13% des Français se disent de gauche là, et 39% de droite là. 5% des électeurs du Front National se disent de gauche. Et seulement 4% des électeurs d'Emmanuel Macron. Alors, pendant le temps que durera ce spectacle, 24 000 femmes auront donné naissance à un enfant dans le monde. Et 10 000 personnes seront mortes. Et là, c'est le moment de la liste macabre. 150 personnes seront mortes de la malaria, jusqu'à ce que vous quittiez cette salle. 300 du Covid. 300 d'accidents du travail aussi. 1500 de faim, ou des conséquences de la malnutrition. Et 1600 du cancer. 45 000 heures de vidéos auront été déposées sur YouTube. Et toujours pendant le temps que durera ce spectacle, hein, Bernard Arnault aura gagné 7 millions d'euros. Alors, je vais faire une parenthèse là, parce que quand j'ai commencé ce spectacle en août 2020, hein, je disais, et Bernard Arnault aura gagné 65 000 euros. C'est pour vous dire la caillasse que le mec a fait en 2021. Hein. C'est simple,
Vous savez ce que ça fait, 80 milliards d'euros à peu près? Parce que c'est ce qui s'est fait en patrimoine professionnel Bernard Arnault en 2021. 80 milliards, eh ben, en fait, il pourrait s'acheter tous les logements de la ville de Toulouse. Le mec, demain, il peut s'arrêter, dire non, c'est bon, je revends tout et j'achète Toulouse. Et je suis bourgmestre, tout à fait. Bon, sur un registre plus léger, 5% des Français ont arrêté de porter des slips pendant le premier confinement. Et 16% des Françaises avaient arrêté de porter des soutiens-gorge également. Sur un registre moins léger, une femme sur 5 en Europe sera victime d'abus sexuels au cours de sa vie. Et un garçon sur 15. 100% des gens qui ont bu de l'eau sont mortes ou vont mourir un jour. Eh oui. Alors, toujours à propos de ce spectacle, 90% d'entre vous sortiront satisfaits. On me dit dans l'oreillette que seulement 88% des gens sur Twitch, mais on verra ça. 8% auront envie de faire pipi, mais n'oseront pas se lever. Alors, ça, bonjour, ça ne vous concerne pas, vous, parce que vous pouvez bien vous lever faire pipi, on ne vous voit pas, donc allez-y, à votre aise. Et 1% des gens, normalement, auront une quinte de tout. Mais bon, ça, c'est les aléas du direct. Un tigre a absolument zéro chance de se faire croquer le cul. Non, pardon, c'est pas ça. Une girafe a absolument zéro chance de se faire croquer le cul par un tigre dans la savane. Et 100% des girafes se tapent totalement des statistiques sur les girafes. La prévalence de la carie dentaire a diminué chez l'adulte de 3 879,2% depuis la Révolution française. Il y a 13% des ménages brésiliens qui changeront de lave-vaisselle avant la fin de l'année. Et il y a 10% de réduction sur les côtes de porc au Super U d'Aiguzon, messieurs, dames. Alors que faire de toutes ces informations savantes que je viens de vous égrener ce soir? Eh ben, pour un professionnel des statistiques comme moi, la réponse est, elle est évidente, il me semble. Voilà. On prend un sac poubelle de type lambda, on fait le tri des déchets, et puis on reprend tout depuis le début. Voilà. Donc je m'appelle Johan Charlier et je suis statisticien. C'est bien la première fois qu'on applaudit quelqu'un qui dit je suis statisticien. Merci. Et je suis venu faire ça avec vous ce soir, le tri des déchets de la statistique, trier le bon grain de la statistique mobilisatrice, révélatrice de phénomènes sociaux, qui donne à voir les invisibles, de l'ivraie de la statistique démobilisatrice qui fout un peu le cafard, les morts du Covid, tout ça, mais surtout de l'information manipulée, hein, manipulée par les pouvoirs, tous les pouvoirs, politiques, médiatiques, économiques. En tant que statisticien, je connais deux, trois trucs comme ça pour qu'on puisse ensemble faire de l'autodéfense collective face aux manipulations, et puis deux, trois tuyaux pour qu'on arrête de se faire embobiner par les manipulations. Et alors je me suis dit, enfin Johan, faut que tu ailles prévenir le monde, faut que tu ailles voir les gens et apprends-leur ces techniques. Là, il y a une petite voix dans ma tête qui s'est dit, mais enfin Johan, mon garçon, toi, tu vas aller voir le monde, quoi, prêcher la bonne parole, dire la vérité, c'est un peu prétentieux. D'autant plus que, entre moi et moi, les chiffres, ça n'a pas toujours été ton truc. Et elle avait raison, cette petite voix dans ma tête. Moi, j'ai longtemps galéré en maths, hein, je vous parlerai de ça plus tard. Donc, ce soir, je vais pas venir vous donner deux, trois tuyaux comme ça et puis me tirer, non. Non, non, ce soir, je vais venir vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon, totalement rétif, hein, aux mathématiques, aux chiffres et tout ça, mais qui a appris à les apprivoiser, à les aimer, et puis à s'en méfier un petit peu aussi. Bon, alors je vous dis, je suis statisticien, mais en fait, bon, on ne sait pas trop ce que c'est, statisticien. C'est pas un métier du concret, je veux dire, quoi. C'est boulanger, cuisinier, maçon, on voit ce que c'est. Statisticien. Comment vous faire toucher un petit peu ce que c'est? De la même manière qu'il y a des producteurs de choux, de melons, ou des producteurs de boulons à l'usine, un statisticien, c'est un peu un producteur de chiffres. Hein, vous voyez, ce sont des collègues à moi qui produisent le taux de chômage ou le taux de croissance du PIB. Ben oui, c'est fabriqué, ça ne tombe pas du ciel, ça. Ça se calcule, ça se construit. Alors,
ça nous permet aussi de calculer la productivité des producteurs de melons, de boulons, bien sûr. Alors moi, quand je me présente comme ça, je me présente surtout comme un traducteur de chiffres. Moi, mon boulot dans la vie, c'est de traduire les statistiques, des trucs parfois un peu compliqués comme ça, en phrases compréhensibles pour le commun des mortels. Alors, le commun des mortels, dans mon cas, en fait, bah, ce sont des collègues, des chefs de service, des chefs d'unité, des sous-directeurs, des directeurs, enfin la fine fleur de l'administration française, quoi. Hein, et surtout des élus, parce que je suis statisticien, ce qu'on appelle chargé d'études, dans un conseil régional. Donc, je suis fonctionnaire et je travaille à éclairer la décision publique pour que les politiques publiques, les aides qu'on donne aux personnes comme ça, soient basées sur des réalités tangibles en fait, et qu'on puisse tous ensemble, sur la base d'un bon constat, aller changer la vie des gens. Alors tout s'est pas passé comme prévu. Et donc ça va être l'histoire aussi ce soir d'un petit désenchantement. Comme c'est souvent le cas au travail, hein, c'est vrai. Ce désenchantement, il commence quand j'ai été embauché. Bonjour. Ah, c'est que j'ai mis un taquet dans mon micro. Ah, désolé. Nous reprenons nos programmes après cette coupure. Et oui, 1% des propriétaires de lieux viendra me toucher la barbe. Ça, c'était pas prévu. Donc je disais, moi j'ai été embauché il y a un peu plus de 10 ans dans ce conseil régional. Et à l'époque, c'était une présidente qui dirigeait ça. Et son truc, c'était l'écologie. Et donc, cette présidente vient me voir, moi et mes collègues, et nous demande, tiens, j'ai une question pour vous. Combien y a-t-il d'emplois qu'on pourrait qualifier d'écologiques, d'emplois verts, sur mon territoire? Alors on se dit, oh là, ben ça va pas être facile ça, parce que on sait pas trop en fait ce que ça veut dire un emploi vert, un emploi écologique comme ça. Donc on appelle nos collègues de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, alors c'est des vrais pros quoi, pour qu'ils nous aident à trouver une définition déjà, et puis surtout à compter après les emplois, parce qu'on n'allait pas faire ça tout seul. Alors, on bûche et on tombe sur une petite définition, un truc pas trop, mais cadré quand même, hein, vous voyez. Et donc, on se dit, un emploi écologique, ce serait un emploi dont les finalités seraient de prévenir ou de réparer les dommages causés à l'environnement par l'activité humaine. Oui, c'est pas trop. Ça nous a pris 3 mois quand même le truc hein, à faire. Hein. Donc, voilà. Et donc, fort de cette définition, on se met à bûcher et on compte. Et on trouve 3 600 emplois verts sur le territoire. Et un jour, le désenchantement commence. Je vais vous le faire. Alors, voilà. J'étais au bureau. Comme ça, voilà. C'est ça mon boulot, hein, en fait. Hein. Je suis assis sur une chaise et je rentre des chiffres dans un tableur Excel. Voilà, c'est très concrètement. C'est pas palpitant, mais c'est bien. Donc j'étais là, et un jour, le téléphone sonne. Et vous savez, sur les téléphones de bureau, c'est pas le numéro des gens, c'est le nom des gens directement qui sonne. Et là, je regarde, c'est la directrice de cabinet qui m'appelle. Alors, une directrice de cabinet, au-delà du fait que bon, nous, on l'appelle Dame Pipi pour rigoler, c'est quelqu'un de très important. En fait, c'est basiquement le numéro 2 ou 3 dans une administration. C'est la personne qui fait le lien entre le politique et l'administration. C'est vraiment très important. Ce n'est pas quelqu'un que je peux me permettre de snober. Hein. Donc, je décroche. Voilà. Yann Charlier, oui, j'écoute. Ah, l'étude sur... Oui, l'étude sur les... En... Sur les en... Oui, les emplois verts, oui, tout à fait. Ouais. La présidente l'a lu. Ah, très bien. Alors? Elle n'est pas contente. Elle trouve que ça fait pas assez d'emplois. Ah, parenthèse. Elle, ça fait 6 mois qu'elle se balade dans toute la région en disant qu'il y a 100 000 emplois verts sur son territoire, si vous voulez. Et nous, on dit, bah cocotte, on a recompté, en fait, ça fait 3 600. Donc, autant vous dire que, bon, elle est pas joyeuse. D'autant plus que c'était une région dans laquelle il y avait 700 000 emplois en tout. Donc, elle passe de 1 sur 7 à 1 demi%. Donc, là, ça chauffe. Il faut que je reprenne. Oui? Elle parle à la tribune dans une demi-heure.
il faut que je trouve quelque chose pour contredire l'INSEE. Ok. Bon, bah. Bisous. Et je l'ai fait. Alors, j'ai pas truqué les chiffres. Hein. Tout s'écroule. J'ai pas truqué les chiffres, si vous voulez. Mais j'ai fait une petite définition. J'ai fait une petite phrase qui disait, oui, bah, la définition était peut-être un peu restrictive. Voilà. Et donc, c'est passé comme ça. Et ce jour-là, j'ai compris un truc. J'ai compris que c'était pas avec des gens comme ça, qui préfèrent travestir la réalité pour l'adapter à leur discours préconstruit, que j'allais changer la vie des gens ou je sais pas quoi. Non, puisque c'est l'inverse qu'il faut faire, bien sûr. Donc, l'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est aussi l'histoire de comment, à partir de ce coup de fil-là, ben, j'ai décidé d'arrêter de servir la soupe à ces gars-là et puis d'essayer de retrouver un peu l'essence de ce qui faisait mon taf, c'est-à-dire se défendre collectivement face aux manipulations et puis peut-être, pourquoi pas, se réapproprier cet outil que sont les chiffres et les statistiques, parce que c'est des outils, pour les luttes, pour nos luttes, pour le mouvement social et puis pour vraiment améliorer notre existence. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient, Twitch? Si vous ne dépêchez pas, oui, ça vous convient. Alors ça leur convient, alors c'est parti. Alors, avant de commencer, faut que je règle un truc. Vous en êtes où niveau maths? Niveau mathématiques? Zéro. Ça rigole. Vous en êtes où niveau maths sur Twitch? Par exemple, juste une moyenne. Tout le monde voit ce que c'est à peu près, une moyenne. Ça gère ça? Bah, méfions-nous des moyennes, rien que de ça. Hein. Méfions-nous. Vous savez qu'en moyenne, excusez-moi, on me dit les maths c'est nul. Bah, tu vas voir, on va rigoler avec les maths. Une moyenne. Vous savez qu'en moyenne, sur Terre, chaque être humain a un testicule. Attends, ça marche aussi avec les ovaires en fait. Donc en fait. Chaque être humain a un testicule et un ovaire. Putain, mais ça change tout. Si on faisait rentrer Bernard Arnault maintenant dans cette pièce, on est tous multimilliardaires en moyenne. Eh? C'est qu'en moyenne, un être humain a un peu moins de deux jambes. Et parce qu'il y a des gens qui ont moins. Donc rien que ça, une moyenne, un truc assez simple, on peut se faire attraper par la petite construction. Donc, mon conseil, un petit conseil ce soir, ben exigeons les chiffres, les valeurs absolues, comme on dit, les chiffres et rien que les chiffres, pour pas se faire attraper par des petites constructions comme ça. Je vous demande votre niveau en maths, parce que moi, effectivement, longtemps, ça n'a pas été mon truc, quoi. Moi, quand j'étais gamin, je voulais être écrivain. Mais je voulais écrire des romans. Alors aujourd'hui, je rentre des chiffres dans un tableur Excel. Si vous voulez, c'est l'exact inverse du truc. J'ai donc consciencieusement foiré mes rêves de gosse. Pas forcément très grave, bon, c'est comme ça. Moi, quand j'étais gosse, comme je voulais être écrivain, j'ai su lire vachement tôt. Genre, très tôt, c'est mon père en fait qui m'a appris à lire, ça s'est passé comme ça. Moi, mon père, il était ouvrier. Et le midi, il rentrait manger à la maison. Et il faisait trois trucs. Il mangeait, il lisait son journal, il faisait une courte sieste. Et après, il repartait travailler. Alors moi, du haut de mes 2-3 ans, manger, faire la sieste, si vous voulez, c'est un truc que j'avais bien intégré, ça, l'utilité du truc. Mais par contre, le journal, mais ça avait l'air aussi important, si vous voulez, parce que si mon père faisait ça systématiquement, manger, sieste, journal. Alors, intrigué, j'allais me mettre sur ses genoux. Et puis j'essayais de déchiffrer comme ça. Et donc c'est comme ça qu'en grande partie, mon père m'a appris à lire dans La Nouvelle République, qui est le quotidien du coin d'où je viens, qui est le quotidien du coin d'ici aussi, je crois. Par contre, quand il s'agit de m'apprendre à compter, la galère. Là, je vous parle d'un temps, j'avais pas 2 ans et demi, 3 ans, hein, j'avais 9, 10 ans, j'allais rentrer au collège. Et moi, il y a un truc que j'ai jamais pu encadrer, c'était les multiplications. Putain, ça a été une tannée, c'était l'horreur. Mon père, il avait un petit stratagème. Vous vous rappelez les cahiers de brouillon qu'on avait à l'école? Vous vous rappelez au dos, il y avait des tables. Il y avait des tables de multiplication, notamment, voilà. Alors, mon père, il avait trouvé un truc, il avait pris un cahier de brouillon comme ça, il avait mis du blanco
sur les réponses. Comme ça faisait 1 fois 1 égale. Et puis il en avait photocopié une centaine, je crois. Et tous les soirs, on avait un deal. Je devais remplir mes tables de 1 à 9. Et quand je donnais une bonne réponse, il me donnait un centime de franc. Nouveau, hein. Et quand je donnais une mauvaise réponse, là, c'est moi qui lui devais un centime de franc nouveau. Voilà. Bah, croyez-moi pas, j'ai eu encore du pognon de cette époque-là. Ah non, c'était super chaud. Moi, c'est bien simple. À un moment, j'ai tellement arrêté d'écouter en maths que je répondais systématiquement 12. C'était ma seule réponse. 12. Voilà. 9 fois 3. 12. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Le taux de chômage, c'est 12%. Voilà. 6 fois 2. Non, là, du coup, ça marche. Même en fac, je me rappelle, en fac, alors qu'on avait un prof, j'avais un prof de stats, il était mais ultra consciencieux, quoi. On devait calculer un coefficient, je me rappelle. Un coefficient, c'est entre 0 et 1, hein, c'est pas possible autrement. Donc, il me fait, Johan, le coefficient de truc, ça fait combien? T'as trouvé combien? 12, mec. Le mec, il se démonte pas. Il dit, putain, mais comment t'as fait? Elle est où, l'erreur? Mais ma feuille, elle est blanche, mec, tu vois bien que je me fous de ta gueule. 12, quoi. Oh là là. 6 fois 5? Oui, non, ça fait 12. Alors, pour voir si on est un petit peu dans le même bain, je vais lancer un petit sondage. Levez la main ceux qui se galéraient en maths à l'époque, à l'école. Allons-y. Alors, on est... Ok, on est sur du 60%. On a un de plus. On est sur 70, on va dire 70%. Je ne sais pas combien vous êtes dans Twitch, donc tu sais combien on a de gens qui regardent? Tu vois pas d'ici? Bah, c'est pas grave, on va dire 70%. 70% de gens qui se galéraient en maths à l'école, c'est quand même énorme. Bon, je sais pas s'il est très représentatif, notre sondage. Ben, on va essayer de voir ça, tiens, est-ce qu'on est représentatif? Alors, un sondage. Qu'est-ce que c'est un sondage? Tout le monde voit à peu près ce que c'est C'est le truc qu'on écoute quand on est d'accord avec, et puis qu'on dit que c'est nul quand on n'est pas d'accord, voilà. Non mais tout le monde fait ça, c'est bon, même les politiques. Allez. Un sondage, c'est donc l'art d'interroger une toute petite portion d'une population pour extrapoler et estimer ce que cette population aurait trouvé. Mais ça peut être plein d'autres trucs, hein. Par exemple, avec une technique de sondage, vous pouvez essayer de prédire les résultats d'une élection. Vous pouvez essayer aussi, par exemple, de trouver combien il y a de poissons dans un lac. C'est con, mais en fait, vous regardez des points judicieusement choisis dans un lac, vous comptez les poissons, puis petite extrapolation, vous pouvez savoir combien il y a de poissons. Vous pouvez compter le nombre de voitures rouges qu'il y a en France. Est-ce qu'il y a des chômeurs dans la salle? Ah oui, ça va être compliqué tout seul, parce qu'il faudra 2-3 potes, mais vous vous mettez avec 5 ou 6 potes à des carrefours judicieusement choisis, comme ça, et puis vous comptez, alors tu as un pote qui compte toutes les voitures, et toi tu comptes que les voitures rouges, puis après, avec une petite extrapolation, on peut savoir combien il y a de voitures rouges en France. Et c'est exactement ce que fait Bison Futé, en réalité. Bah, il compte pas les voitures rouges, il compte toutes les voitures, si vous voulez. Mais vous pensez bien qu'il n'y a pas des mecs à Bison Futé sur toutes les routes de France avec des compteurs à compter tout ce qui passe. Non, ils connaissent le truc. Ils se mettent à des carrefours qui sont représentatifs un petit peu de la circulation en France, et puis ils savent faire des cartes de Bison Futé. C'est vachement bien foutu. Le recensement de la population en France aujourd'hui, il est basé sur une technique de sondage. On interroge un cinquième de la population chaque année, et puis au bout de 5 ans, comme ça, on a interrogé tout le monde. Et puis c'est moins cher, c'est plus rapide. C'est aussi efficace d'ailleurs que ce qu'on faisait avant, savoir interroger tout le monde une fois tous les 10 ans. C'était le délire, ça. Alors, et quand c'est bien fait, je veux dire, sans biaiser les questions, en appliquant des méthodes rigoureuses, ça marche très 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 bien. On verra plus tard que dans le cadre des sondages d'opinion, ça marche tout de suite vachement moins bien. Mais on verra ça plus tard. Les sondages, en fait, à la toute base, ça vient de la prospection pétrolière, de la protection minière, il y a très 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 longtemps. Vous pensez bien que les gars, quand ils achetaient des arpents et des arpents de terrain dans le Wyoming, là où je sais pas où, ils retournaient pas tout de suite en espérant au petit bon argent sauver les trucs. Non, ils mettaient des sondes, sondages, sur leur terrain,
à des points qu'ils choisissaient comme ça, et puis en fonction de ce qu'ils trouvaient, ils pouvaient essayer de déterminer ce qu'ils avaient trouvé dans le sol. Bah, c'est exactement ce qu'on fait avec les sondages politiques. Donc, je vous posais la question de la représentativité là, tout à l'heure. Est-ce que nous, on est bien représentatifs? Ça pose la question de la façon dont on choisit les gens qu'on va interroger. Là, j'ai choisi tout le monde dans ce lieu. Mais en fait, il y a deux façons. J'aurais eu deux façons de pouvoir le faire. Il y a deux façons dominantes aujourd'hui hein, dans le game du sondage de choisir les gens qu'on va interroger. Alors, il y a la méthode qu'on appelle aléatoire. C'est-à-dire, c'est un tirage au sort, tout simplement. On tire au sort les gens qu'on va interroger. Et il y a la méthode qu'on connaît un peu tous, représentative, qu'on dit la méthode des quotas. Où là, en fait, on va aller se fabriquer une mini-société française avant d'interroger les gens. Donc il y a tant de femmes, tant d'hommes, tant d'ouvriers, tant de cadres. Et ben, on va aller choisir les gens qu'on va interroger. Donc on va choisir autant de femmes, autant d'hommes, autant d'ouvriers, autant de cadres que dans la population française. Avec le tirage au sort, on fait aussi ça, mais on le fait après, si vous voulez. On commence par interroger tout un tas de gens pris au hasard, et après, on va leur donner des petits poids, comme ça, on va pondérer, on va leur donner une importance particulière en fonction de leur profil, pour que ça fasse une société, une mini-société française après, un genre de miroir. Maintenant, selon vous, quelle méthode est la plus fiable? La méthode où on tire au sort, ou la méthode où on fabrique sa petite société? La méthode aléatoire, ou la méthode représentative? Vous pouvez participer par ici. Bonjour. Si je peux vous aiguiller un petit peu, on vit dans une démocratie représentative. Est-ce que vous trouvez ça fiable? Répondez pas. Il y a des caméras. On nous écoute. On va avoir des problèmes. Eh bien, c'est la méthode aléatoire, en fait. C'est la méthode la plus fiable. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est la seule méthode qui nous permet de calculer une marge d'erreur. Et la marge d'erreur, c'est très important, parce qu'il faut qu'on s'entende sur ce qu'on entend par fiabilité en science et en statistique en général. On est d'autant plus fiable qu'on sait dans quelle mesure on risque de se tromper. C'est un peu contre-intuitif comme ça, mais on est d'autant plus fiable qu'on sait dans quelle mesure on risque de se tromper. Pas dans quelle mesure on risque d'avoir raison, non, on essaie de déterminer quelle chance, quel risque on a de se tromper. Et pour ça, donc, on a un super outil qui est la marge d'erreur. Et tout sondage comporte une marge d'erreur. Voilà, même si on ne nous la montre pas, hein, en général, on ne nous la montre jamais. Tenez, par exemple, oui, voilà, on vous les présente comme ça, les sondages, si vous voulez. Prenons deux candidats fictifs à une élection. Alors, on est sur une élection au second tour, élection locale. Hein, donc pour les besoins de l'expérience, ces deux candidats, Emmanuel Macron éventuellement et Marine Le Pen. Et on nous dit, ce monsieur, ce candidat est à 52% et cet autre candidat ici est à 48%. On résume plein de trucs là-dedans. Notamment, on ne nous montre jamais la marge d'erreur. On devrait plutôt nous le présenter comme ça. Une marge d'erreur dans un sondage politique, si vous sortez d'ici, si vous voulez vous rappeler un seul truc, c'est à peu près 2 à 3%. Il faut toujours rajouter 2 à 3%, alors ça va dépendre du nombre de personnes qu'on a interrogées, mais en général c'est ça, 2 à 3%, en plus ou en moins à un résultat. Donc on devrait en réalité nous le présenter sous cette forme-là. Et ça change un peu la donne, si vous voulez. Déjà c'est un peu plus compliqué à lire, et on nous montre ici la marge d'erreur. Et puis ce serait très sympa aussi de nous mettre tous les chiffres. Hein, ce serait plus gentil pour qu'on ait vraiment une idée de ce qui se joue ici. Parce que quand vous regardez ça, vous vous dites oh, 52, 48, bon bah c'est plié quoi. Il a gagné lui. Alors que quand vous passez sur une lecture un peu plus rigoureuse avec les marges d'erreur, bon bah c'est... C'est 50-50 quoi, avec ouais un bonus offensif pour le gars du haut, bon qui a l'air très en colère en plus, mais alors que lui est très souriant, c'est très étonnant. Bon, dans les médias ça passe beaucoup moins parce que ce qu'on aime bien en ce moment dans les médias, c'est pas nous montrer tellement les enjeux politique, mais plutôt le jeu, le Game of Thrones, le jeu du trône. On aime mettre en scène le duel. On l'a,
peut pas dire grand-chose, voilà, c'est un petit peu chiant. Donc, rappelez-vous qu'il y a toujours une marge d'erreur et que ça joue sur l'interprétation qu'on peut faire des sondages. Alors, petit exercice pratique, messieurs, dames. On va quitter les personnages fictifs et puis on va prendre des vrais personnages de cette campagne actuellement. Voilà. Et donc c'est un vrai sondage hein, qui est paru fin octobre et qui comparait les deux candidats d'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Donc dans ce sondage, Marine Le Pen était à 16%. Éric Zemmour était à 17%. C'était le premier sondage en fait où Gollum là, il passait devant Voldemort. Donc les journaux avaient fait leur chou gras et ils titraient « Marine Le Pen dégringole, Éric Zemmour remonte ». Donc il était à 17%, elle était à 16%, elle faisait moins 2 par rapport au sondage d'avant et lui faisait plus 2 par rapport au sondage d'avant également. L'information qui vous manque ici, c'était la marge d'erreur. La marge d'erreur était de 3%. Ayant cette information en tête, qu'est-ce qu'on peut dire de ce sondage ? Oui, c'est concis, mais je m'y retrouve, effectivement. Commenter une augmentation à plus 2 ou moins 2, alors que la marge d'erreur allait de 3, si vous voulez, c'est ni fait ni à faire, c'est pas du boulot, quoi. Voilà. Et en plus, du coup, il y a également moins de 3 points d'écart entre nos deux protagonistes, là, de jolis protagonistes. Donc, est-ce que c'était bien possible d'écrire dégringole et remonte, alors qu'en fait, on ne sait pas, parce qu'en fait, ça peut être entre moins 1 et plus 5, et là aussi, pareil, entre du coup l'inverse, et puis, en fait, on ne sait rien. Mais les journaux ont fait les choux gras de ce truc-là. Les deux trous du cul de l'extrême droite ne seront-ils pas élus ? Je lis le Twitch en même temps. Alors, les deux ensemble, non, ça va pas être possible. Il y en aura peut-être un, malheureusement, il faudra faire attention à ça. Et ils sont à égalité, tout à fait, effectivement. En fait, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils se tirent la bourre, mais sans jamais pouvoir dire en fait lequel est l'un, et lequel est devant et lequel est derrière. Voilà. De l'importance de la marge d'erreur, messieurs, dames. Rappelez-vous de ça la prochaine fois que vous verrez un graphique sur BFM. En général, ils sont super bien foutus, les graphiques sur BFM. Il y a une erreur par graphique. La marge d'erreur très importante. On la montre très très rarement. Alors, on commence à la voir apparaître dans certains journaux. Le Monde commence à, par exemple, à les mettre le plus souvent. Et il y a une loi, qui existe et qui oblige les instituts de sondage, entreprises de sondage plutôt, dirons-nous, à les publier. Mais dans les rapports complets que personne ne va jamais lire, donc comme ça, ils sont peinards. Mais rappelez-vous, voilà, c'est entre 2 et 3%. Et ils sont faits tous par la méthode des quotas, la méthode représentative. Donc j'ai dit qu'elle était moins fiable. Parce que je vous bassine avec la marge d'erreur, là, mais en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, pour les sondages par quota, les sondages politiques qu'on voit là, qui sont tous faits par cette méthode des quotas, en fait, le calcul de la marge d'erreur, en théorie, est impossible. On a une théorie mathématique qui dit qu'en fait, c'est juste pas possible, parce qu'il faudrait que tout le monde ait la même probabilité d'être interrogé, pour qu'on puisse la calculer, pour que le calcul soit valide, en fait. On peut faire le calcul, mais il n'est pas considéré comme valide mathématiquement. Donc, vous faites ce que vous voulez de cette information. Je vous dis qu'il y a une marge d'erreur. Je vous dis également que, en fait, on ne peut pas vraiment la calculer. Continuez à lire les sondages si vous voulez. Moi, je sais ce que j'ai fait. Alors, comment ça se fait que les sondages par quota soient devenus hégémoniques comme ça, alors que la méthode aléatoire est plus fiable ? Eh bien, pour comprendre ça, j'ai lu un bouquin qui s'appelle L'histoire des sondages d'un monsieur qui s'appelle Jacques Antoine. Alors c'est très très bien écrit, c'est très lisible, on va dire. Après, je vous cache pas, voilà, faut être passionné pour se taper un bouquin qui s'appelle L'histoire des sondages. Je vous en voudrais pas de pas le lire. Mais dans ce bouquin, il raconte comment ça se fait que ce soit la méthode la moins fiable qui ait pris le dessus. Et pour comprendre ça, il faut remonter au début du XXe siècle aux États-Unis. Et là, je rêverais que pour la prochaine édition du spectacle, je mettrais une bande-son Tom Sawyer. C'est l'Amérique. On ferait comme ça.
Au début du XXe siècle aux États-Unis, c'est le début de la politique spectacle un petit peu. Les gens se passionnent vraiment pour les élections tous les 4 ans. Et il y a des journaux, des périodiques, des magazines, alors le Reader's Digest, le Literary Digest, le Rally Star, des choses qu'on ne connaît pas nous ici, mais bon, qui étaient assez fameuses à l'époque là-bas. Et tous les 4 ans, un peu avant les élections, ils mettent des petits bulletins à découper dans leur magazine, et puis ils disent aux gens, oh bah écrivez sur le bulletin pour qui vous allez voter, et puis renvoyez-nous les trucs, les coupons, comme ça on publiera les résultats, puis on va se marrer. Parce que. Comme ça fera un genre de petite prédiction. Et ça se vend comme des petits pains, ces trucs-là. En fait, les gens adorent donner leur avis. Et autant vous dire, bon, des fois, ça marche, des fois, ça prédit le bon résultat, puis des fois, ça se plante. En fait, on comprend assez facilement pourquoi. Si demain, Libération, l'Humanité et le Figaro faisaient le même genre de truc, on est d'accord, il y aurait quand même trois résultats sensiblement différents. Ben oui, non, parce que c'est basé sur. C'est pas les mêmes lecteurs, quoi. Alors, en 1936, ils en sont à je sais plus combien de petits bulletins à découper, de campagne, là. Ils appellent ça des straw polls. Les straw polls. Je sais pas s'il y a des anglophones dans la salle, mais des votes de paille, en fait. En français, on dirait des votes pour du beurre, des votes pour rire. Et donc, ils en sont à plein de vagues comme ça. Et il y a un petit gars, un petit gars qui s'appelle George Gallup. Et George Gallup, si vous voulez, lui, c'est un peu le cador du marketing communautaire aux États-Unis à cette époque-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a une énorme base de données clients. Enfin, base de données, c'est des fiches en carton, parce qu'on est en 36, mais quand même. Et donc, c'est le meilleur pour faire du marketing communautaire. Si vous voulez savoir le produit qui va cartonner auprès de la ménagère du Midwest, vous appelez ce mec-là. Ou le produit qui va cartonner auprès des jeunes afro-américains de Géorgie, mais genre même entre 15 et 18 ans, vous appelez ce mec-là. Parce qu'en fait, il a plein de prospects dans ses bases de données et il est capable de refaire des petites communautés comme ça. Et donc en 36, il voit les straw polls et il se dit, putain, mais les gars, c'est pourri votre truc, il n'y a aucune méthode. Moi, je vais faire mon truc de marketing, là, je vais l'appliquer aux élections. Il se dit, élection. Consommation, c'est kiff-kiff, quoi. Je veux dire, il y a un produit, c'est le candidat, puis il y a un consommateur, c'est l'électeur, quoi. On est aux États-Unis, ça les choque pas trop, ce truc. Et donc, il se met à bûcher, et il interroge 50 000 personnes, le mec. Non, juste, 50 000 personnes, c'est énorme. Un sondage politique, c'est entre 900 et 1 200 personnes quand il y a du budget, quoi, aujourd'hui, hein. C'est pas 50 000. Le plus gros sondage qui a été fait récemment, là, il a été fait en octobre, je crois, et ils ont interrogé 16 000 personnes. Mais ça a coûté 100 000 balles, je crois. Donc, et lui, il interroge 50 000 personnes. Et il est tout seul. Et donc, en 1936, lors de l'élection Alfred London contre Franklin Delano Roosevelt, quand tous les bulletins de straw polls là, donnent Alfred London gagnant, bah, Gallup, lui, il dit, bah non, les gars, c'est Roosevelt qui sera élu. Et puis, indice chez vous, peut-être que vous vous rappelez du nom de Roosevelt et pas du tout de celui de London. Donc voilà, George Gallup prédit le résultat à la décimale près. Effectivement, c'est Roosevelt qui est élu. Les gars en face sont humiliés. C'est la fin des straw polls. Il n'y en aura plus jamais. Les mecs arrêtent. Ils se sont fait pourrir. Et donc, c'est sur cette espèce de coup de poker. Alors, le mec était sûr de ce qu'il faisait, si vous voulez, mais quand même, c'était un peu un coup de poker dans cette hégémonie-là des straw polls. Et donc, le sondage par quota, avec la méthode de Gallup, va prendre la place de ces espèces de divinations-là complètement aléatoires. Alors, voyons ça. Aux États-Unis, il y a un petit gars qui s'appelle Jean Stutzel. C'est un petit Français. Il fait ses études aux États-Unis et il est vachement impressionné par ce qu'il vient de faire là, l'ami Gallup quand même, leur mettre la race comme ça et prédire à la décimale près le résultat de l'élection quand même, c'était fort. Et il se dit, ce serait vachement classe quand même que j'apprenne la méthode pour pouvoir la ramener à la maison. Alors Jean Stutzel, c'est un démographe. Alors c'est un truc vachement utile. Vachement aride. Le mec, il bosse sur la natalité, la mortalité, les migrations et tout. Pour le coup, c'est vraiment des maths. Très très aride, mais très très utile, j'insiste.
Et donc, il bûche, il apprend la méthode, et quand il revient en France en 1938, il crée l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, qui existe encore aujourd'hui. Donc, il crée cet institut qui est indépendant hein, à l'époque. C'est pour ça qu'il appelle ça institut de sondage. C'est un peu un laboratoire de recherche indépendant, si vous voulez. Les mecs s'auto-saisissent de questions. Ils n'ont pas vraiment de clients. En fait, il n'y a pas des mecs qui les payent pour dire ah bah tu vas bosser sur la consommation de Pernod Ricard dans les agglomérations de moins de 20 000. Non, c'est pas comme ça qu'ils font. Eux, ils disent bah non, nous on veut bosser sur tel sujet, tel sujet. D'ailleurs, la première question qui a été posée dans un sondage en France. Vous savez sûrement pas ce que c'est, mais la toute première, on est en 1938, hein, c'était approuvez-vous les accords de Munich? On est en 1938. Les accords de Munich, pour remettre un peu dans le contexte, et s'il y a des historiens qui nous regardent, qui sont dans la salle ou qui nous regardent, ils vont me détester. Mais en gros, les accords de Munich, c'est le moment où tous les pays d'Europe se sont mis d'accord pour faire laisser Hitler faire joujou avec la Tchécoslovaquie. En gros, c'est à peu près ça. C'est résumé, mais c'est ça. Et donc, 58% des Français disent oui, on veut bien laisser Hitler faire joujou avec la Tchécoslovaquie. Bah, s'il a envie, le petit. Faut pas le vexer non plus. Il y a une question subsidiaire à ça. 70% des Français, en revanche, disent par contre, c'est la dernière fois qu'on lâche un truc à Hitler. Après, on se la colle. Voilà. Première question posée dans un sondage en France. L'IFOP va, disons, être mis en sommeil pendant la guerre. C'est autre chose à foutre que des sondages pendant une guerre. Et puis de toute façon, le régime de Vichy va interdire les sondages à partir de 1941. Donc comme ça, c'est plié. Hein. Ça me fait penser. Il est où? Il est là. Dernier représentant du régime de Vichy, là. Lui, il aime bien les sondages hein, quand même. Hein. Mais bon, s'il était un peu cohérent avec ses idées, il les interdirait aussi. Hein. Voilà. Voilà ce que ça nous promet, ce mec. Après la guerre, l'Europe est ruinée, bien sûr, la France est ruinée, bien sûr, et l'IFOP, forcément, est ruinée également. C'en est donc fini du temps de l'indépendance de l'IFOP, parce que Jean Stelzel est obligé, pour renflouer les caisses, d'aller chercher bah, des actionnaires pour faire rentrer de la fraîche dans la boîte pour qu'ils continuent à travailler. Et donc commencera une seconde ère, dirons-nous, à l'IFOP. Qui est le temps bah, du business, dirons-nous. L'IFOP va se transformer en une espèce de machine à faire du conseil, notamment pour des entreprises, et ça va nous permettre de voir arriver toute une bande de consultants, de Golden Boys, dans les années 70, 80 notamment, ça va être la pleine mesure de ça, et une galerie de sacrés personnages. Genre, mon préféré, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Lesch, qui travaille à l'IFOP. Jean-Marc Lesch, c'est vraiment mon chouchou. Moi, je l'appelle Jean-Marc ou Jean-Mama, ça dépend des fois. Vous allez voir, Jean-Marc Lesch, c'est un gars qui est connu en fait pour être le premier à avoir truqué un sondage en France et s'être fait choper. Voilà, bravo Jean-Marc, t'es le meilleur. C'était en 77 l'histoire, en 1977. Revenons en 1977. Valéry Giscard d'Estaing est élu président. Et ça remonte, hein. C'était le plus jeune président à l'époque, imaginez à quel point ça remonte. Il est élu président et il planche comme ça sur une petite politique là qu'il voudrait mettre en œuvre. Il se dit, fou, quand même, il y a beaucoup de. Je ne sais pas imiter Giscard d'Estaing, mais beaucoup d'immigrés dans ce pays, n'est-ce pas? Non, c'est plutôt Mitterrand ça. Ça n'a rien à voir, c'était Kermit en fait. Il se dit, il y a quand même beaucoup d'immigrés dans ce pays. Moi, je voudrais bien qu'on puisse étudier comme ça le fait de donner une petite prime, un petit bakchiche à ces immigrés qui sont venus quand même aider à reconstruire la France pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. Voilà, comme ça. Et donc, il a envie de tester l'opinion publique des gens pour savoir s'il peut vraiment s'y mettre ou pas à sa petite idée comme ça. Et donc, il appelle mon gars Jean-Marc. Mon gars Jean-Marc, qui travaille à l'IFOP, hein, toujours dans les bons coups, l'IFOP. Et l'IFOP a un monopole de fait, hein, au final, sur les sondages à cette époque-là, c'est vraiment la plus grosse boîte, et ils sont maqués directement avec l'Élysée, donc vous ne pouvez pas les tester, vous ne pouvez pas passer à côté. Et donc Jean-Marc dit, bah écoute, moi je te fais un sondage, pas de problème. Et donc à la question, êtes-vous favorable
au principe d'une prime de retour des immigrés dans leur pays, les Français vous répondent oui. Les immigrés dans leur pays, oui. La prime, par contre, non, ça, on va se la. Non, voilà, on la garde là, ça, voilà. Jean-Marc Lesch écrira plus tard dans ses mémoires. Le mec mourra en écrivant ses mémoires quand même, je trouve ça magnifique. Mais il écrira que il a jugé bon de changer un peu les résultats du sondage pour atténuer un certain racisme des Français. Tu m'étonnes. Manque de peau, un certain hebdomadaire satirique paraissant le mercredi, le canard enchaîné, toujours dans les bons coups, trouve les bons chiffres, les chiffres du sondage d'avant, et les publie en une. Et ça fait un scandale. 3 ans après seulement, en 81, ça fait scandale, et donc Jean-Marc Lesch devient officiellement le premier mec à s'être fait choper en train de truquer un sondage en France. Bravo Jean Mama. Alors Jean-Marc, du coup, il s'arrête pas là, hein, parce que tant qu'on est lancé sur l'autoroute de la connerie, autant y aller à fond. Jean-Marc, en 83, ouais, c'était en 83, je crois, hein, il était client de Laurent Fabius. Je sais pas si vous vous souvenez de Laurent Fabius. Les vieux s'en souviennent à chaque fois, ils disent « Oh, c'est le sang contaminé !» À vie, le mec, il aura ça. Et Laurent Fabius, il a commandé un petit sondage à Jean-Marc, parce qu'il fait un débat à la télé contre Jacques Chirac. Ouais, 83, c'est ça. Et il fait un débat à la télé contre Jacques Chirac, et donc il a commandé un sondage pour savoir ce que les gens ils ont pensé de sa petite prestation. Et donc le sondage va très très mal se passer pour mon gars Fabius, à tel point que Chirac va vraiment le dépouiller et finira par le traiter de roquet en direct à la télé. Vous êtes un roquet, etc. Et en fait, les Français dans le sondage sont plutôt d'accord avec Chirac en fait. C'est que Fabius, gros roquet, oui, ça va bien ensemble, effectivement, oui, ça caractérise bien le personnage, effectivement. Donc Jean-Marc va faire annuler en catastrophe la publication du sondage pour pas froisser le mec qui l'a payé, quoi. Voilà, donc c'est à peu près ça le personnage, et c'est à peu près ça l'ambiance à l'IFOP en fait dans les années 80. Excusez-moi, je lis le chat, pas de bol Jean-Marc, quand on triche, faut pas se faire choper. Exactement. Oui, non, mais il est connu vraiment pour ça. Il est connu parce que c'est le premier à s'être fait choper. Ça se trouve, avant, il y en avait, hein. Mais il en faut, hein. Il faut le premier. Et c'était mon gars sûr, hein, mon gars Jean-Marc. Toutes ces malversations et ces petits arrangements avec la réalité vont transformer profondément l'IFOP et vont pousser son fondateur, Jean Stetzel, le démographe, à la démission. Dépression aussi, triste qu'il est de voir son bébé lui échapper et devenir un monstre, quoi. Et donc viendra l'ère pleine et entière du business et du porte-nawak à l'IFOP qui va donc prendre n'importe l'argent n'importe où pour écrire n'importe quoi dans des sondages. Jean-Marc a été puni par la vie quand même, parce que quand il a poussé Jean Stetzel à la démission, il espérait prendre sa place en tant que chef. Seulement, l'actionnaire majoritaire de l'IFOP voulait placer son fiston à lui en tant que chef de l'IFOP. Donc Jean-Marc l'a pas eu. Il sera même poussé à la sortie. On le reverra plus tard dans la soirée. Et puis, donc, je vous dis, l'actionnaire majoritaire met son fiston à lui. À la tête de l'IFOP. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, je ne sais pas qui c'est cet actionnaire majoritaire, c'est-à-dire d'où il sort, une fois qu'il a revendu ses parts, qu'il a posé son fiston, qu'est-ce qui s'est passé à l'IFOP? Vous savez qui a revendu ses parts, l'actionnaire de l'IFOP? Il a revendu ses parts à Laurence Parisot. Laurence Parisot, je remets pour les plus jeunes qui nous regardent sur Internet. C'était la présidente du MEDEF pendant quelques temps. Donc elle a été présidente du MEDEF, Mouvement des patrons de France, hein, le syndicat des patrons, et du principal institut de sondage du pays. En même temps, bah tiens, c'est pratique, comme ça, parce que tu peux faire passer tes idées pour MEDEF beaucoup plus facilement. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, mais du coup, quel intérêt tous ces gens ils ont à posséder des instituts de sondage comme ça, puis on ne sait pas vraiment qui c'est. Alors du coup, je fais des recherches. Je me dis, bon, l'IFOP, c'est spécial, c'est les premiers, il n'y a pas que. Donc je regarde un autre.
Ipsos, tiens, Ipsos, c'est un institut qui est connu aussi, je me dis, ça doit marcher bien ça, bah tiens, fondé par un mec qui est 118e fortune de France, avec Jean-Marc. Alors bon, je regarde la Sofresse. La Sofresse, ça va être bien ça, la Sofresse, c'est peut-être plus vertueux. Alors la Sofresse, c'est possédé par une boîte qui s'appelle Fimalac. Alors la Fimalac, ça veut dire financière. Marc Ladrey de La Charrière. Marc Ladrey de La Charrière, qui c'est? Bon, bah, c'est un milliardaire déjà, hein. Et puis accessoirement, c'est l'employeur fictif de Pénélope Fillon. Pénélope Fillon, vous vous rappelez? La femme de François Fillon, hein, candidat à la présidentielle, pris dans les mains, dans le pot à confiture. Vous voulez du politique? Ben, je vais vous donner du politique, moi. Dentsu Consulting, vous connaissez? Eh ben, Dentsu Consulting, ils bossent beaucoup avec France Info. Ils sont la propriété de la plus grosse boîte de pub japonaise. Pff, on ne sait pas ce qu'ils viennent faire là, eux. Mais surtout, le président en France, vous savez qui c'est? C'est Thierry Jadot. Thierry Jadot, le frère de Yannick Jadot, hein, le candidat à la présidentielle, encore un. Mais chez lui, c'est Europe Écologie, les putains de verts, sa race. Alors bon, un autre, Opinionway, Opinionway, sauve-moi, Opinionway, Opinionway, c'est des pires, les gars. Opinionway, fondé par deux mecs, attention, des experts. Il y en a un, c'était l'ancien directeur de cabinet, Monsieur Pipi, qu'on l'appelait, directeur de cabinet de Gérard Longuet. Gérard Longuet, c'était un ministre de la Défense sous Sarkozy. Et puis, accessoirement, c'était le fondateur de Occident, un groupuscule de nazis, quand il était à la fac. Je veux dire, il y a des nazis dans l'histoire, quoi, tu peux pas faire pire. Et puis, le deuxième gars, son associé, il s'appelle Denis Pingo. Et ben, Denis Pingo, il a été mis en examen pour surfacturation de prestations de consultant, auprès de qui? De Mathieu Gallet. Mathieu Gallet, président de Radio France. Bah, vas-y, tiens, bah, mets-toi bien avec les médias. Et puis, et on a beau chercher, plus on gratte, plus on gratte, plus on trouve des saloperies, et ça s'arrête, mais jamais. Ils couchent tous ensemble, en fait, les mecs. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle une emprise. Les rênes de l'opinion sont tenues par les pouvoirs médiatiques, politiques, économiques en même temps. Là, on n'est plus sur de la statistique mobilisatrice qui va défendre les droits des opprimés, là. Révéler les phénomènes sociaux, je sais pas quoi, on s'en fout, ça. La sociologie, c'est pour les gauchistes. Non, non, là on est sur de l'influence. Là on est sur une arme d'opinion qui est tout entière dirigée ben, dans la propagation de l'idéologie qui leur permettra de faire le plus de pognon possible. Cette idéologie, c'est quoi? Ben, c'est l'idéologie capitaliste, les petits enfants. Il n'y a pas un sondage qui dit est-ce que vous êtes pour ou contre le capitalisme? Ça n'existe pas. Hein. C'est implicite. Hein. À l'intérieur, c'est toujours dans le cadre d'une concurrence libre et non faussée. Qu'est-ce que vous croyez qu'il est mieux, Éric Zemmour ou Marine Le Pen? Ça s'arrête pas là. Depuis le 1er janvier 2018, les sondages sont pris en compte pour le temps de parole, pour le calcul du temps de parole des partis politiques et des groupes politiques à la télé, à la radio. C'est Macron qui a fait rentrer ça. Alors, je dis pas qu'avant c'était bien, hein, c'était mieux, ça marchait fondamentalement mieux. Mais avant, c'était basé sur le fonctionnement démocratique de la société, si vous voulez. C'était basé. Le temps de parole des partis politiques à la télé, à la radio, c'était basé sur le nombre de maires, le nombre de députés, par exemple, qu'ils avaient, les résultats aux élections. Ou sur des choses qui venaient du fonctionnement démocratique de la société. Là, il s'agit de faire rentrer des estimations, dont on a vu que la scientificité était moyenne, faite par des boîtes privées. C'est un pas de plus de ces boîtes-là et du capital dans le fonctionnement de la vie démocratique. Alors moi, ce que je vous propose, à vous, c'est qu'on arrête de se faire traiter d'opinion publique. Il y en a marre. Je trouve ça dégradant, et vous devriez aussi. Une opinion publique, c'est quoi? C'est un nuage comme ça, c'est vaporeux, on ne sait pas bien ce que c'est. Une opinion publique, ça, vous voyez, ça se contourne, ça se consulte, puis après on fait un peu ce qu'on veut. Moi, je dis qu'il faut reconquérir. Oui, c'est ça, c'est bien conjugué. Reconquérir, il est chiant celui-là. Un statut de citoyen. Voilà. Parce qu'un citoyen, c'est quoi? Un citoyen, c'est ancré. Ça a un corps, ça vote, ça milite, ça se rencontre en tout cas. Et puis, ça peut faire de l'action collective. Et ça, les gars en face, ils aiment pas ça. Mais bon, je dis. C'est un scandale, oui, les sondages, maintenant, ils dictent le temps de parole des partis politiques, mais on s'en fout de ça, des partis politiques, parce qu'on a un super président qui est au-dessus de tout ça, qui transcende tout ça. Non. Vous trouvez pas? Attendez,
Emmanuel Macron, c'est quand même le mec qui a instauré la démocratie directe et participative dans ce pays. Ben, vous marrez pas. Attendez, c'était quoi le grand débat? Le grand débat, si c'est pour la démocratie directe et participative, je sais pas ce que c'est, hein, je m'y connais pas. Vous avez déjà oublié, hein? C'est ça. Non, vous avez pas oublié, mais vous l'avez encore en travers de la gorge. Vous avez participé, vous, au grand débat ou pas? Vous avez le droit de me répondre tous, non? Twitch, t'as participé au grand débat? Bon, manifestement non. Vous avez tort. En plus, il y avait plein de façons de participer. On pouvait aller dans les réunions publiques, des fois vous pouviez croiser Jupiter en personne. Il y avait des cahiers de doléances dans les mairies, où il y avait aussi un questionnaire super bien fait sur Internet. Vous pouviez répondre à des petites questions comme ça. Donc, c'était bien. Bon, moi, comme j'adore la démocratie, mais que j'ai quand même vachement peu de temps à l'y consacrer, je suis allé regarder les questions, qu'est-ce qu'il y avait sur Internet pour le grand débat. Et non, franchement, c'était. Non, ils nous ont pris pour des cons, les mecs. C'était abusé. Je vous en ai sélectionné trois. Et ce que je vous propose, ensemble, ce soir, et avec les gens qui nous regardent, j'ai fait le questionnaire sur Internet en fin de début, et ben tu verras, on va le faire maintenant. Je vous propose de rejouer le grand débat tous ensemble, dans ce petit moment festif de la conférence que j'ai intitulé « Question pour un Macron ». Alors, vraie question du grand débat, attention, et vous allez devoir voter, on va le rejouer. J'ai sélectionné trois questions particulièrement gratinées, et ça commence maintenant. Attention, soyez sur le coup. Indice. Non, pas chez. Non, pas d'indice. Attention, top. Faut-il réduire le nombre de parlementaires, entre parenthèses, députés plus sénateurs, égale 925? Oui ou non? Votez. Votons. Alors oui, non? Il y en a trop, on est d'accord. Attends. 920, c'est presque 1000. Franchement, c'est quasiment, hein. Moi j'ai envie d'essayer de vous la poser d'une manière un peu différente. Vrai, j'ai changé juste quelques mots. On va voir ce que ça donne. Top, faut-il augmenter le nombre de parlementaires, entre parenthèses, députés plus sénateurs, égale 1 pour 70 000 habitants en France. Ça change un peu le modèle, si vous voulez. Parce que oui, pour le coup, je trouve qu'on n'est pas super bien couvert, effectivement. Vous voyez ce qu'ils ont fait là, en fait, la petite parenthèse là, ça c'est ce qu'on appelle en psychologie, en sociologie, ce qu'on appelle un effet de priming. Un effet de priming, c'est un effet que moi j'appelle. La réponse était peut-être dans la question, si vous voulez. Parce que là, bon, la parenthèse député plus sénateur égale 925, c'est juste pour vous dire, regardez, c'est. Oui, comme je disais, c'est presque 1000, c'est beaucoup quand même. Alors qu'en fait, on sait pas. En fait, je sais pas comment ça marche dans les autres pays, moi. Moi, je vois 1 pour 70 000, voilà, moi je trouve qu'on n'est pas super bien couvert. Il y aurait, je sais pas, un médecin pour 70 000 habitants, moi je dirais, c'est pas ouf, tu vois. Donc, bon, représentant élu, on pourrait aller un petit peu plus. Mais bon, ça, ce n'était rien à côté de la seconde question que je vous ai sélectionnée. Alors celle-là, elle est en deux parties, il va falloir être sur le coup. Des questions orientées. Attention, top, afin de réduire le déficit de la France, qui dépense plus qu'elle ne gagne. Pensez-vous qu'il faut avant tout réduire la dépense publique, augmenter les impôts, faire les deux en même temps, ou bien je ne sais pas. Alors, oui. On va s'arrêter là-dessus, sur l'honnêteté des gars qui ont quand même mis une réponse. Je ne sais pas. Hein. Alors, ils ne sont pas allés jusqu'à mettre un autre précisé, parce qu'ils savaient très bien ce qui allait se passer. Là, il y allait avoir une bande de communistes qui allait débarquer et dire oh, faut taxer les riches et augmenter les cotisations sociales. Non, calmez-vous. Ça n'arrivera pas. Donc, et j'adore le petit taquet qu'ils mettent juste en milieu de phrase. Afin de réduire le déficit de la France, qui dépense plus qu'elle ne gagne. Voilà, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous afin de réduire le déficit de cette pauvre France dépensière? Faut-il réduire la dépense publique?
Faut-il augmenter les impôts? Non, 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 Chouquette, 549. On ne remet pas l'ISF. Il n'y a pas autre comme réponse. Il n'y a pas autre. Hein. Non, il faut se discipliner. Non, non, non. Non, non, donc est-ce qu'on réduit la dépense publique? Est-ce qu'on augmente les impôts? Est-ce qu'on fait les deux en même temps? Peut-être, soyons déglingos. Ou vous ne savez pas, peut-être. Votons, refaisons le grand débat. Les communistes. Bon, mais tout ça n'est rien à côté de la question qui suit, vraiment qui suit juste après. Hein. J'ai des captures d'écran à la maison, je peux les envoyer par mail à qui veut. La question juste après celle-là, c'était: afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité? Ça veut dire on s'en fout, mec, de ce que tu as répondu avant. On s'en tape, t'as pas compris. Nous, notre délire, on a dit, c'était réduire les dépenses. Voilà, c'est bon, c'est gentil d'avoir participé, mais bon, on va faire sans toi. Hein. Voilà, ça c'est l'opinion publique, on fait sans toi. On te pose la question, mais on s'en tape. Alors, il y a un troisième effet. Oui, pardon, ça c'est ce qu'on appelle un effet de halo. C'est une variante du premier effet. C'est-à-dire que la réponse est aussi un peu cachée dans la question. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous diluer ça sur un entonnoir de réponses pour que vous finissiez par répondre exactement ce qu'on avait prévu que vous répondiez. Ça, c'est un effet de halo. Donc, c'est des trucs qui sont très très connus, hein, des psychologues, des sociologues, des psychosociologues également, mais justement pour éviter d'influencer les réponses. C'est même connu par les inspecteurs de police, hein, ils ont des formations quand ils font des interrogatoires pour pas influencer les réponses des gens et que ça fasse des faux témoignages. En fait, ils sont formés. Pensez bien que si des flics arrivent à comprendre ça, des mecs qui ont fait l'ENA, ils sont en capacité de le comprendre. C'est bien qu'ils y mettent de la mauvaise volonté. Bon. Troisième exemple, très rapidement. Ouais, ça, j'aime bien ça. J'appelle ça l'effet. Voilà, vous allez comprendre. Faut que je prenne mon souffle en plus parce que celle-là. Savez-vous quels sont les différents échelons administratifs? État, collectivité territoriale telle que la région, le département, la commune, ou opérateur tel que Pôle emploi, la caisse d'allocation familiale, trois petits points, fermez la parenthèse, dans votre territoire. Oui ou merde? Là, je l'adore parce que les mecs ont fait quand même une parenthèse de trois bornes de long, je veux dire, en n'oubliant personne, hein, et en mélangeant tout. Parce qu'il n'y a rien de commun entre un département et Pôle emploi. Je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. Et en plus, Pôle emploi, la CAF, c'est même pas vraiment des échelons administratifs. Bon, ça, c'est des petites subtilités de mecs qui kiffent le droit administratif. Bon, les 12 gars en France qui kiffent ça. Déjà, voilà, déjà, c'est impossible de répondre vraiment à cette question parce que bon, c'est vrai que le millefeuille administratif, c'est quand même un beau bordel. Hein. Donc, à part les 12 suscités experts en droit administratif, personne ne connaît vraiment bien la réponse. Hein. Et puis surtout, le diable se cache dans les détails. C'est la fin de la phrase. C'est connaissez-vous les échelons administratifs dans votre territoire? Il est absolument impossible de répondre honnêtement à cette question, en fait. Parce que. Il n'est jamais précisé de quel territoire on parle. Territoire, ça peut être votre quartier, ça peut être votre commune, votre région. Si vous êtes Bernard Arnault, c'est le monde entier. Si vous êtes Elon Musk, ça comprend Mars et sa banlieue. Donc, vous voyez, ça va quand même. Les échelles sont assez dingues. Hein. Voilà. Mais bon, donc vous savez, vous, quels sont les différents échelons administratifs? Patati, patata, voilà. Bon. Donc cette parenthèse de trois bornes de long était là pour vous renseigner sur tout ce qui existe. La question qui suit juste après était: pensez-vous qu'il y a trop d'échelons administratifs en France? Oui ou merde? Voilà. Donc, ça, voilà ce que j'appelle l'effet boulot, voilà, c'est l'effet on vous enduit avec de l'erreur, comme ça. Et puis, bah, vous êtes un peu obligé de répondre, bah oui, il y en a quand même vachement trop, parce que la parenthèse, elle était très très longue à lire. J'ai failli m'essouffler. Voilà, donc comme je vous le disais, hein, normalement ça, les vrais experts qui fabriquent des questionnaires sont formés à ne pas, ne surtout pas formuler les questions comme ça. Mais bon, eux, ils ont décidé de s'en taper parce qu'ils avaient une idée derrière la tête. Mais bon, c'est très facile de faire ça. C'est vraiment très très facile. Nous, on pourrait le faire. Twitch pourrait le faire. Et on va le faire.
Messieurs, dames, je vous propose un petit instant de pause qui va me permettre de me désaltérer et à vous de réfléchir à éventuellement inventer tous ensemble une question complètement pétée, orientée au possible sur un sujet, de votre choix. Qu'est-ce qui pourrait être. On va choisir un sujet, tiens. Non, jamais. Écoutez, allez-y, essayez de vous rappeler peut-être d'une question toute pourrie que vous auriez vue dans un sondage. On va prendre 5 minutes, hein, parce qu'on va pas faire ça comme ça. C'est un truc de professionnel, hein. On va essayer de se mettre à leur niveau. Ça va nous prendre 5 minutes. Twitch, t'as des idées? Ah non, mais c'est compliqué, il faut juste un peu se lancer. Qu'est-ce qu'il y a eu comme débat bien pourri récemment? Les éoliennes. Je sais pas, on pourrait. Allez, moi je me lance. Je me lance. On pourrait faire un truc sur pour ou contre les éoliennes. Orienté contre. Oui, voilà, c'est moins de choses que le nucléaire, sachant que. Là, tu peux faire une liste, tu vois, tiens, une parenthèse. Tu sais, sachant que ça tue les oiseaux, ça fait beaucoup de bruit, c'est moche. Ça... Oui. Que ça détruit les paysages. Alors, tiens, pour le nucléaire, on pourrait tenter un truc du style. Tu sais, pour savoir si les gens sont d'accord avec le nucléaire, c'est êtes-vous pour la construction de nouvelles centrales nucléaires? Et puis, tu rajoutes juste. À 1 km de chez vous. Là, normalement, le taux d'adhésion, il chute, il est en chute libre. Et c'est comme ça que tu arrives à le faire, par exemple. Allez-y, essayez de trouver des questions biaisées, là, entre vous. Biaisez un peu entre vous. Alors, si votre voisin ou voisine est consentant, bien sûr, mais. Ouh, l'immigration, oula! Attention, là l'immigration, vas-y attention, Gollum t'écoute. Vas-y, ouais, sachant que les immigrés... Ouais. Oh, pas mal. Ouais. Dégueulasse. Qu'il est temps de fermer les vannes, quoi. Ouais. Ou alors, faut qu'on sorte des prisons, c'est l'un ou l'autre. Ah oui. Sachant que les immigrés représentent 25% de la population carcérale, faut-il 1. fermer les vannes de l'immigration, 2. construire de nouvelles prisons avec l'argent de vos impôts, 1 km de chez vous. Ou je ne sais pas. Oui, tu mets un autre précisé. Alors, sur la. Oui, rétablir la peine de mort, toujours, ben ça c'est le grand classique. Ça marche très très bien, ça, orienter les questions sur la peine de mort. Vous demandez aux gens s'ils sont pour ou contre la peine de mort. Donc c'est 60-40 à peu près, je crois, dans la population. 60 contre et 40 pour la peine de mort, à peu près en France, je crois. Là, vous vous amusez à rajouter des petites conditions. Êtes-vous pour ou contre la peine de mort en général? Êtes-vous pour ou contre la peine de mort contre les assassins, pour les assassins d'enfants? Cela marche bien, là vous faites monter votre truc. Là. Pour les assassins d'enfants pédophiles, multirécidivistes, et vous rajoutez les pires criminels, vous voyez. Et comme ça vous faites monter votre truc. Sur pour ou contre le nucléaire, il y a une manière qui était assez folle de pouvoir orienter la réponse, c'était juste de bien choisir le jour où on posait la question. Par exemple, il y a 20-30 ans, la question ne se posait pas tellement.
Les gens étaient plutôt pour. Vous faisiez un sondage pour ou contre le nucléaire au lendemain de Fukushima. Là, vous aviez par exemple un taux très très faible d'adhésion. Voilà, moi, la dernière fois, il y avait un copain qu'on avait sorti une. Ah, il y en a une, il y en a une. Vaut-il mieux diminuer le nombre de profs ou augmenter le nombre d'élèves par classe, sachant qu'un prof coûte. Oui, sachant qu'un prof coûte tant d'euros à l'État et c'est vos impôts. Ben oui, il vaut mieux augmenter le nombre d'élèves par classe à ce moment-là, évidemment. Voilà, oui, la dernière fois, il y avait un copain qui en avait sorti une, la dernière fois que j'ai joué ce spectacle, c'était sachant que. Les questions commençant par sachant que en général sont pas mal. Sachant que les politiques écologiques vont en général à l'encontre de l'industrie, et sachant qu'il y a 10 millions de chômeurs en France, faut-il continuer à faire des politiques écologiques? C'est là, moi j'aimais bien. Mais bon, vous voyez, on rigole en fait là, parce qu'on les a vus venir, les gars, avec leurs gros sabots. Donc trafiquer les questions. C'est un truc qui se fait de moins en moins. Eux, ils ont abusé parce qu'ils n'ont pas de race. C'est la Macronie, on les connaît. Mais ça, normalement, ça se fait pas trop parce qu'on s'en rend rapidement compte et qu'on a la sale sensation d'avoir été pris pour des cons. Il y a une autre façon de faire, un peu plus subtile et un peu plus compliquée. Là, c'est vraiment du truc de pro. C'est d'aller trafiquer le mode de calcul des trucs. Alors c'est quelque chose que vous connaissez peut-être déjà pour le chômage, vous savez, on trafique les chiffres du chômage en faisant passer les chômeurs d'une catégorie dans une autre. Vous faites rentrer un chômeur en formation, et il n'est magiquement plus dans le chiffre qu'on donne à la télé. Alors, l'exemple que je vais vous choisir ce soir, c'est l'exemple du trafic du calcul du taux de pauvreté, qui a été tenté par un artiste. Par Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy, en 2007, il s'est fait élire, bon, bah, bien sûr, sur la peur, l'insécurité, tout ça, mais il avait fait une promesse qui était passée un petit peu inaperçue. Il avait dit, je réduirais la pauvreté. Attends, attends, non, il était comme ça, il était plus petit. Je réduirais la pauvreté d'un tiers en 5 ans. Et une fois qu'il a été élu, bah, il a bien fallu qu'il s'y colle, le petit coco. Alors, le taux de pauvreté en France est calculé d'une manière un peu particulière. Si vous voulez, c'est calculé d'une manière qu'on appelle relative. Alors, c'est le moment un peu ardu du spectacle. Accrochez-vous à vos slips, ça va passer très vite. En France, on considère qu'on n'est pas pauvre comme ça, au milieu de rien. On est pauvre au milieu d'une société. Et parce qu'on vit dans une société. Et on est pauvre au milieu des autres. Et donc, être pauvre, ça signifie être exclu. En fait, ça a à voir avec l'exclusion. Ça signifie être exclu de ce que la majorité des gens qui nous entourent peuvent se permettre en termes d'achat de biens, de services, de conditions de vie. Donc, on dit que c'est relatif. C'est un peu différent dans d'autres parties du monde, dans les pays très pauvres, et aux États-Unis et au Canada aussi. Me demandez pas pourquoi. Ils ont choisi de faire pareil. Là, ils sont en pauvreté absolue. Il y a un seuil de pauvreté absolue dans le monde, et c'est 2 dollars par jour et par personne. On considère qu'en dessous de 2 dollars par jour et par personne, en gros, vous pouvez survivre nulle part sur cette terre, quoi. C'est la zermie profonde. Alors, bon, aux États-Unis et au Canada, ce n'est pas 2 dollars par jour, hein. C'est à peu près 20 000 dollars par an. Sauf que eux, en fait, ils calculent pas comme nous. Eux, leur seuil de pauvreté, il est basé sur un prix moyen, un panier de biens et de services qui est calculé chaque année par les statisticiens, qui est approuvé par l'Assemblée élue. C'est-à-dire, c'est le politique qui fixe le seuil de pauvreté. C'est basé donc. Il calcule le montant nécessaire, le montant financier nécessaire à dépenser pour acheter les trucs de base, vraiment, pendant une année. Mais vraiment la vie de base, quoi. Sans chichi, sans fioriture. Et donc c'est à peu près une vingtaine de milliers d'euros là-bas, par an. En France, c'est pas l'Assemblée qui vote ça, c'est pas des élus qui décident. C'est calculé, comme j'ai dit, de manière relative. Et c'est là qu'il faut s'accrocher à son slip. On considère le seuil de pauvreté à partir de 60% du revenu médian. Ne quittez pas, ne quittez pas. Le revenu, on va expliquer. Le revenu médian, qu'est-ce que c'est? C'est un truc fictif en fait qui sépare une population en deux. Et donc, ça veut dire qu'il y a la moitié des gens qui touchent plus et la moitié des gens qui touchent moins que ça. C'est le revenu, par exemple, qui est pile au milieu. Et en France, c'est 1771 euros par mois pour une personne seule, après impôt. Mais bon, on
on va pas sortir dans les subtilités, 1771 euros, donc il y a la moitié des gens qui touchent plus et la moitié des gens qui touchent moins. Et donc si on prend 60% de ça, ça fait 1063 euros. Et c'est le seuil de pauvreté en France. Oui, mais vous voyez, la médiane, c'est pas dur, en fait, ça passe. 1063 euros, c'est le seuil de pauvreté. On considère qu'on est pauvre à 1063 euros si on est une personne seule. Donc, si vous touchez moins que 1063 euros et que vous êtes une personne seule, félicitations. Voilà, vous êtes officiellement pauvre. À vous aussi, félicitations. N'ayez absolument aucune honte, hein, parce que vous êtes 9 300 000 en 2018, dernier chiffre disponible, et on pense que vous serez 10 millions d'ici pas très longtemps, hein, quand on aura les chiffres de 2020. Non, je veux dire, s'il y a baston de rue contre les millionnaires, vous les prenez facile, quoi. Hein. J'ai calculé, ça fait du 4-5 contre 1. Même si Bernard Arnault, il a une ceinture noire de karaté, normalement, vous lui mettez sa race, hein, y a pas de, y a pas de souci. Donc n'ayez absolument aucune honte. Vous êtes majoritaire, quoi. 1063 euros. Et ce taux de pauvreté, ça fait 14% de la population française. 9 300 000 personnes. 14% de la population qui est pauvre, officiellement. Ça fait mauvais genre dans une démocratie avancée, mais bon. Et c'est un taux qui est très très difficile à faire diminuer, en fait, parce que le seuil de pauvreté augmente tous les ans, puisque le niveau de vie augmente tous les ans. Si, le niveau de vie, il augmente. Hein, bon, il augmente pas de la même façon pour tout le monde, moins pour vous que pour Bernard Arnault, c'est sûr, mais il augmente en moyenne. Il augmente. Donc, le seuil de pauvreté augmente, le niveau de vie augmente, et c'est très très dur de faire baisser le taux de pauvreté quand on le calcule de cette manière. On le fait baisser de 0,1, 0,2 points tous les ans, mais c'est beaucoup 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 plus compliqué de faire baisser drastiquement. Là, Sarkozy se pointe et il dit moins 33%. Alors le mec, il est emmerdé, parce qu'en fait, ses équipes, elles connaissent le truc, hein, elles disent « Mec, non, là, ça va pas être possible. » Et donc, il invente un subterfuge, il invente un nouvel indicateur, avec la fameuse technique du « changeons le thermomètre, comme ça, il n'y aura plus de malades ». Technique très usitée des politiques, que vous pouvez retrouver dans le livre hein, « Les deux astuces et demie du politicien de merde », c'est chez Bleh Édition. Donc il se pointe avec un nouvel indicateur, le taux de pauvreté ancré dans le temps. Putain, saison 2. Taux de pauvreté ancré dans le temps, en fait la magouille qu'il a essayé de faire Sarkozy, c'est qu'il dit, bon, sur mon mandat, sur 5 ans, je vais faire baisser de 33%. Donc je vais prendre le taux de pauvreté là quand j'arrive, mettons il arrive là, c'est 1063 euros. Il donne rendez-vous dans 5 ans. Et il compte 5 ans après le nombre de gens qui sont toujours sous les 1063 euros sans prendre en compte la hausse du niveau de vie, si vous voulez. Et puis bah, si vous avez réussi à faire baisser, bah bravo, vous avez réussi à faire baisser le chiffre de la pauvreté, vous êtes super. Alors, il y a des statisticiens de l'INSEE, hein, l'Institut de la Statistique, qui ont été obligés de le faire ça, parce que c'est des fonctionnaires, donc ils font ce qu'on leur demande. Et donc ils ont calculé ce taux-là. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, parce qu'ils étaient un petit peu taquins. Et donc, dans un livre qu'ils ont publié plus tard, sous pseudonyme, qui s'appelle Le Grand Trucage, ils racontent cet épisode. Et ils racontent aussi que, en fait, ils ont calculé le taux de pauvreté ancré dans le temps pour le quinquennat de Sarkozy, qui avait réussi à faire baisser du coup son truc à 33%. Mais ils l'avaient calculé pour le mandat précédent, le dernier quinquennat de Jacques Chirac. Et ils se sont aperçus qu'en fait, en faisant rien, hein, ça baissait mécaniquement de 40% tous les 5 ans. C'est-à-dire que Sarkozy, il avait même été petit joueur, en fait, en disant moins 33%. En fait, il augmentait le RSA de 20 balles, et en fait, il atteignait 50%. Oui, parce que, on s'en fout, si on prend un indicateur tout pété, on peut faire baisser tout ce qu'on veut. Vous voyez ce qu'il a fait, Sarkozy ? C'est qu'en fait, il s'en tapait de faire baisser la pauvreté, c'était pas son délire à lui. Lui, il était là pour enrichir ses potes. Non, il voulait faire baisser le chiffre de la pauvreté. C'est pas pareil. Il se tape des gens qu'il y a derrière. Bon, une fois qu'il est parti, on a été la risée hein, des statisticiens du monde avec ça. Une fois qu'il est parti, bon, on a repris le vrai taux calcul du taux de pauvreté, comme je vous l'ai expliqué, à 60% du revenu médian. Et puis tout est rentré dans l'ordre.
Enfin bon, je dis le taux de pauvreté, mais en fait je devrais dire les taux de pauvreté. Parce que si Sarkozy s'était magouillé un taux à lui pour faire baisser un chiffre en se tapant totalement des gens qui n'en ont rien, bah en fait on peut se demander si le fait de s'accrocher juste à ce truc, le taux de pauvreté, même correctement calculé, c'est pas un petit peu aussi bah, se foutre des gens qui en ont rien, en tout cas se foutre des vraies conditions de vie des pauvres. Parce qu'en fait, je vous parle du taux à 60% de la médiane des revenus, mais en fait, il y a d'autres officines. Il y a l'Observatoire des inégalités, par exemple, mais même l'INSEE le fait, il calcule à 50%, un taux de pauvreté à 50%, donc des gens un peu plus pauvres. Là, ça fait un revenu aux alentours de 900 euros. Donc si vous êtes à 900 euros, vous êtes au taux de pauvreté à 50%, comme on dit. Il y a même un taux d'extrême pauvreté à 40%, qui doit être aux alentours de 740 euros par mois pour une personne seule. Vous remarquerez que le RSA est en dessous de tous ces trucs-là, hein. Donc voilà, on a encore du boulot. Et c'est là qu'on voit que les chiffres peuvent vachement invisibiliser les gens qui vivent les réalités qu'ils décrivent. Quand je vous parle de Sarkozy qui veut faire baisser le chiffre de la pauvreté, encore une fois, il se tape des pauvres, c'est pas ça. Et le fait de truquer le calcul, c'est encore plus une marque de mépris, parce que ça fait vraiment, vous êtes des petits rouages dans ma petite avancée, c'est absolument terrible. Et ça cache, en plus, des réalités qui sont très très, très, très différentes entre quelqu'un qui touche juste le RSA et quelqu'un qui est juste à 1063 euros, c'est pas du tout des conditions de vie qui sont les mêmes. Donc avec un chiffre, si vous voulez, en résumant tout en un chiffre, on occulte beaucoup les réalités qui sont derrière. Pour être un peu plus clair, je vous propose de développer ça sous la forme d'un petit dicton que j'ai inventé et qui est tu résumes tout en un chiffre, tu es en train de me jouer du fifre. Et donc j'ai deux exemples à vous proposer. Pour bien se rendre compte à quel point on peut enfermer une réalité en ne regardant qu'un seul chiffre et en omettant toutes les réalités derrière. Je vous propose de. C'est vous qui allez choisir la suite du spectacle. Je vous propose de travailler sur le PIB, comment on calcule le PIB, le produit intérieur brut. Ou comment on calcule le QI, le quotient intellectuel. Et c'est à vous de voter. Qu'est-ce que vous préférez? De l'économie, de la psychologie? Pendant que vous. Ah! Bon, je commence par le PIB, après on arrive au QI. Allez, on fait ça. Et juste avant. Ouh là, ça demandait le QI aussi. Bon, bah je vais faire les deux. Les pauvres sont toujours pauvres, ça ne change pas, quelles que soient les politiques, nous dit Chouquette. Eh ben, en fait, on pourrait faire autrement, on pourrait mettre un revenu minimum très très haut et mettre un revenu maximum plus bas, et vous verrez qu'on fait baisser la peau et qu'il est possible en fait qu'il n'y ait plus personne sous le seuil de pauvreté. En fait, mécaniquement, c'est possible. Donc, on va parler PIB. Donc le PIB, c'est le produit intérieur brut. Je pense que vous connaissez un peu cette notion. Pour résumer, c'est la somme des valeurs ajoutées qu'on produit dans le pays chaque année. Attention, ce n'est pas la richesse, c'est quelque chose de différent. On ne peut pas résumer la richesse au seul PIB, puisque c'est les valeurs ajoutées monétaires en l'occurrence. Et c'est en ça que je vous disais, hein, un chiffre peut masquer les réalités vraiment qu'il y a derrière. En plus, si on les nomme mal et qu'on dit que le PIB mesure la richesse alors qu'en fait il mesure un truc un poil différent, on peut avoir des problèmes. Alors en fait, c'est assez simple, je regardais une conférence gesticulée, c'est deux jeunes qui débutent, donc Franck Lepage, Bernard Friot, ils vont percer, hein, abonnez-vous, mettez la cloche. Et donc dans une conférence où vous expliquez ce qu'était le PIB, donc Bernard Friot, cet éminent économiste en fait, hein, pour de vrai, pas du tout un jeune qui débute, hein.
Elle nous dit donc oui, c'est la somme des valeurs ajoutées monétaires, et c'est un scandale qu'on appelle ça la richesse, puisque ça ne mesure pas du tout le temps passé à élever les enfants, la vraie richesse qui fait la vraie richesse de la vie, etc. Donc je savais bien qu'il y avait des débats sur comment dire, la pertinence même du truc. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'était ce qu'il y avait dedans, pour de vrai. En fait, qu'est-ce qu'on faisait rentrer dans le calcul pour mesurer ce PIB? Et donc, ce que j'ai trouvé, j'ai fait des recherches, c'est ce que j'ai trouvé, je vais vous le restituer aujourd'hui. Eh ben, c'est un beau bordel, hein. C'est un beau bordel, on va appeler ça le PIB, la PIB en l'occurrence, la poubelle intérieure brute. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oui, ah oui, ça c'est facile ça. Alors ça, bah oui, dans le PIB, par exemple, on fait rentrer la fabrication des automobiles, on fait rentrer le transport routier. Voilà, comme ça, c'est donc il y a une production de quelque chose, il y a un service ou un bien qui a été vendu, qui a été acheté, ça fait de l'argent, ça rentre dans le PIB. Ok, ça je comprends, ça c'est facile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben oui, le BTP, le travail du bois. Hey ho, hey ho. Voilà, ça c'est des choses très concrètes. Oui, le travail à l'usine, d'accord. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la sphère productive marchande. Là c'est facile parce qu'en fait on produit des choses, on les vend. On les transforme. Et donc ça fait de l'argent qui rentre dans les livres de compte des entreprises. Normalement, ils sont bien tenus, mais bon, on ne sait jamais. Et donc ça fait de la croissance, tout ça. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que c'est des choses très matérielles, ça. Qu'est-ce qui se passe avec des trucs bien moins matériels? Ouais, la culture. Alors moi j'ai pris l'exemple de la santé, par exemple, mais des services. Donc, la santé, ça va être un peu différent. Alors, docteur Doki, ce qui va se passer pour la santé, c'est qu'il y a un secteur privé et un secteur public. Alors, le secteur privé, ça va être assez simple de mesurer son apport au PIB. En fait, vous allez prendre la facturation aux patients, plus les coûts de production, s'il y avait un passage au labo, etc. Le coût des produits qu'on vous a injectés, ce genre de choses. Et donc ça, on va le faire rentrer dans le PIB. Ce qui concerne le public, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de facturation aux patients, si vous voulez. Donc ce qu'on va faire rentrer, c'est les salaires des gens qui vous ont soigné, plus toujours le coût des produits, etc. Ça marche pareil avec l'éducation, par exemple. L'éducation, donc dans le privé, ça va être ce qu'on facture à la famille. Et puis dans le public, les salaires des enseignants. Voilà. Bon, je passe sur le fait que bon, dans le cadre d'une évaluation des apports monétaires à la croissance du pays, des services qui ne sont pas marchands, donc pas monétarisés, ne devraient rien avoir à y foutre. Mais bon, on fait une estimation et on les met dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Non. Prostitution et la drogue. Et oui, messieurs, dames, c'est une recommandation internationale des statistiques que de faire figurer les revenus estimés, bien sûr, hein, là les mecs ils ont un peu moins des livres de compte, hein, de la drogue, de la prostitution et du crime organisé dans le calcul du PIB. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'Italie a tout de suite pris le train en marche, et dès 2014, ils ont mis les statisticos sur le coup, et le PIB a pris 2 points. Le coup de pompe au cul qu'a pris le PIB. Donc ils ont intégré la drogue, la prostitution, et puis bah, les revenus de la mafia, quoi. 2 points de PIB en une année. Alors en France, on était embêtés comme ça, et puis on a dit, bon d'accord. Mais que la drogue. Désolé, madame. Alors pour le coup, le coup de pompe au cul du PIB a été drastiquement moindre hein, qu'en Italie. Hein. On a quand même pris 0,1 point grâce à notre réseau de commerçants de détail, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais. Et donc ça, c'est pris en compte depuis 2013. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a plein d'autres trucs là-dedans. Par exemple, il y a des gens qui font du jardin potager.
Ben ça arrive en général sur des publics un peu plus âgés. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'INSEE prend une part des revenus estimés de ce qu'on produit dans les potagers. C'est-à-dire qu'en fait, elle connaît le nombre de résidences qui ont un bout de terrain avec le fichier foncier. Et donc, elle va estimer là-dessus un nombre de gens qui font du potager. Elle va estimer là-dessus une quantité de production potagère et elle va en prendre 10%. Non, 12%, mieux! Elle va en prendre 10%, en fait. Voilà, donc vous voyez que ça commence à ressembler à. On croyait que le PIB c'était un truc ultra sérieux, et ça commence à ressembler à un peu n'importe quoi, une espèce de Frankenstein comme ça, où on fait rentrer à la fois des trucs bon très sereins, les livres de compte des boîtes, et des estimations, d'estimations, d'estimations. Enfin, bon, donc, ça pour dire que résumer la richesse à ça, bah, c'est un peu essayer de nous escroquer, quoi. Parce que par exemple. On prend une estimation du potager. Le potager, c'est plutôt quelque chose qui est fait par ces messieurs, souvent. On prend pas du tout, je sais pas, 10% de la transformation pour faire la cuisine, ou l'éducation des enfants, trucs qui sont plutôt dévolus aux femmes. PIB est quelque chose de très très sexiste en réalité. Et encore une fois, on choisit, du coup, vous voyez bien ce qu'on fait rentrer dans ce. Merci. On choisit ce qu'on fait rentrer dans ce calcul. Ça, c'est super important. En fait, je me suis rendu compte que c'est rarement vraiment le calcul lui-même qui est en cause. Ça fait flipper souvent les calculs parce que c'est une boîte noire comme ça, mais on ne voit pas trop ce qui se passe dedans. Mais en fait, un calcul, ben, je veux dire, c'est bête et méchant, quoi. Vous pouvez essayer de faire une division par zéro et le faire dans la calculette. La calculette, elle va le faire. Si vous voulez, c'est vous qui vous êtes planté en essayant de. Alors ne le faites pas surtout, ne faites pas ça chez vous, ça crée des trous noirs. C'est comme taper Google dans Google, ça casse Internet. Ne le faites pas. Mais vous voyez, en fait, le truc important, c'est d'une part de toujours se dire que si on résume quelque chose à un chiffre, à une dimension, alors que c'est multidimensionnel, comme je sais pas quoi, comme l'économie, qui a des ramifications partout, le résumer en un truc. Pour moi, c'est une escroquerie intellectuelle. Et surtout, l'important, c'est de faire attention à ce qu'on fait rentrer dans les calculs. Vous voyez, par exemple, vous prenez le PIB, vous faites rentrer, ça, on va dire, c'est le calcul, tu vois, c'est noir, comme ça. Tu vois. Et donc, vous faites rentrer, je sais pas, des camions, de la drogue, des poireaux. Et puis, il sort un chiffre, c'est le PIB. Il sort 2000 milliards. C'est ça le PIB, hein, 2000 milliards d'euros à peu près. Chaque année qui sont produits en valeur en France. Le calcul, on peut pas faire grand-chose dessus, sauf si on est Sarkozy et qu'on est cascadeur, quoi. Mais on se fait vite rattraper par la patrouille. Là où on peut être, c'est à l'entrée, dans le choix des chiffres, et à la sortie, pour commenter les résultats. Parce que moi, par exemple, j'aimerais qu'on ait un vrai débat démocratique sur ce qu'on fait rentrer dans le PIB, parce que je trouve qu'on mélange quand même un peu les torchons et les serviettes. Dans le PIB, ce qui va compter, ça va être à la fois la fabrication des missiles et l'éducation des enfants avec les écoles. Bon, moi, à la limite, je trouve ça révoltant que ce soit mis au même niveau, mais bon, j'aimerais qu'il y ait un débat démocratique dessus, un débat qu'on nous a enlevé. Et puis à l'inverse. Quand un chiffre sort, que ce soit le PIB, la hausse du PIB, ils sont tout fous là en ce moment sur BFM parce qu'ils disent ah oui, le PIB plus 6%, etc. Non mais les gars, on a fait moins 19 l'an dernier, calmez-vous, hein, c'est même pas un rattrapage, quoi. Vous voyez, on se méfie des moyennes, on se méfie des évolutions aussi. Parce que plus 6%, oui, mais regarde d'où on est parti. Ça relativise vachement ton truc quand même, d'accord? Et puis il y aura toujours des commentateurs aussi pour dire n'importe quoi. Alors bon, le PIB, le taux de pauvreté, 25% d'immigrés dans les prisons, voilà, on les connaît, ils trustent ces news en général, et puis bah on peut être là et dire bah non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut lire le truc, parce qu'en fait vous vous plantez. Regardez, en ce moment, il y a un gros débat sur les emplois non pourvus. Tout le monde dit c'est un scandale, il y a 300 000 emplois non pourvus en France, les chômeurs pourraient les prendre, c'est vraiment que des feignasses, quoi. Oui, sauf qu'en fait, quand vous allez regarder vraiment dans le détail, ces 300 000-là, en fait, il n'y a que la moitié à peu près qui sont des offres faute de candidats. En fait, le reste,
C'est les entreprises qui ont annulé les recrutements. J'ai jamais entendu un mec sur CNews dire: ah, les patrons, c'est vraiment des salauds, ils font semblant de mettre des offres d'emploi juste pour jouer des mauvais tours à la croissance. Non, jamais. Donc vous voyez, quand un chiffre sort comme ça, ben, il faut qu'on soit là et puis qu'on dise, bah voilà, non, en fait, c'est pas tout à fait comme ça qu'on lit les chiffres, et puis ben, je vais vous apporter une contradiction, sinon je vous combattrai, monsieur. Le QI fonctionne sur un truc un peu similaire, hein, à savoir, on prend un chiffre global, enfin pas global pour le coup, on prend un chiffre parcellaire pour en tirer des vérités sur un truc plus global. Le QI, bon, allez, je le fais. Le QI, si vous voulez, pour qu'on soit tous à peu près au même niveau, voici, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, la courbe du QI. Pour un âge et dans un pays donné. Donc pour les gens de 30 ans en France. Enfin, je dis ça, ça marche aussi pour les 65 ans américains, pour les enfants de 6 ans au Bangladesh. C'est toujours fait comme ça, si vous voulez, c'est construit comme ça. Il y a une raison. Alors, ceux qui ont des souvenirs de cours de maths, donc les 30% qui n'avaient pas moins de problèmes que les autres. Tout à l'heure, se souviennent peut-être de cette forme de courbe. Voilà, exactement, mais vous voyez que vous êtes doué en fait. C'est une forme de courbe en cloche, effectivement. On appelle ça une courbe de Gauss également. Estimation, pardon, excusez-moi, je regarde l'estimation du mildiou dans la tomate cerise de papy. Ah oui, ben ça fait de la perte de PIB, le mildiou dans la tomate cerise. Donc une courbe en cloche, également une courbe de Gauss. Alors, les mathématiciens un peu pointus vous diraient non, ça c'est une distribution en loi normale. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Pour un mathématicien, loi normale, ça veut dire un truc bien précis. Il faudrait surtout pas en conclure que tout ce qui n'est pas ici, là, est anormal. Vous voyez, hein, c'est juste que ce n'est pas dans la moyenne. Donc, cette courbe, elle décrit. La progression, la distribution du quotient intellectuel dans un âge et dans un pays donné. Elle décrit en fait très très bien des phénomènes qu'on appelle aléatoires. C'est des phénomènes qui n'ont pas d'ordre préétabli. Et donc des phénomènes naturels, souvent. Par exemple, pour expliquer ça assez facilement, on peut par exemple prendre la taille des gens. Donc ici, vous mettez le nombre de gens. Ici, vous mettez la taille des gens, je sais pas, de 1,30 m à 2,30 m par exemple. Et puis, en fait, ce qu'on observe, c'est que bah, y a très très peu de gens très petits, très peu de gens très très grands, et puis la plupart d'entre nous, bah, on est là, quoi, dans la moyenne. Une taille moyenne, pas une taille normale, attention, taille moyenne. Ça marche avec les pointures de chaussures, pareil, hein, très peu de petits pieds. Voilà. Ça commence à beaucoup moins bien marcher quand on regarde le poids des personnes. Parce que le poids, en fait, c'est quelque chose de beaucoup moins naturel que la taille, si vous voulez. C'est vraiment très social, c'est lié à l'environnement. C'est pour ça que ça marche moins bien. Celle-là marche vraiment avec les phénomènes aléatoires, naturels. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, où est-ce qu'il nous emmène ce type avec ses phénomènes naturels alors qu'il est en train de nous parler d'intelligence? C'est quoi ça? C'est l'intelligence, c'est naturel? C'est donné au berceau, c'est ça? C'est quoi? Il y a une petite fée comme ça qui arrive, qui dit. Ah bah toi, tu seras intelligent. Toi, tu seras intelligent. Ou plutôt, tu seras un gros débile. Ah, la fée connasse, quoi. Bah non, ça n'a rien à voir avec ça. L'intelligence, c'est très culturel, très social. Je dis pas qu'il y a un terrain naturel, mais ça se développe dans une société, dans un environnement. Et ça a beaucoup à voir avec bah, les chances qu'on a eues, gamin ou après, d'accéder à la culture légitime, au bon bouquin, au fait de voir le monde, de rencontrer d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on cultive l'intelligence. Alors comment ça se fait que cette courbe, elle ressemble à ça? Eh bien en fait, elle a été construite à l'époque, hein, où ça a été inventé. Pour ressembler à ça, les mecs ils se sont dit, tiens, bon, l'intelligence, on sait pas trop comment ça marche en fait. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont très très cons. Très peu de gens qui sont vraiment très très des ouf, quoi. Et puis bah, la plupart d'entre nous, bah, voilà, on est à peu près. Oh, ça se tient, quoi.
En fait, la vraie raison, c'est parce que ce quotient intellectuel, comme on l'appelle, il est basé sur quatre épreuves, si mes souvenirs sont bons, mais tu me corrigeras. Il est basé sur des suites logiques, de la géométrie dans l'espace, du vocabulaire, et tout ça en un temps chronométré. Alors pour les enfants, je crois qu'il y en a d'autres. Ouais, de la compréhension de texte. Ouais. Et tout ça dans un temps donné. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est les résultats des gens qui passent le test. Situons-nous. La moyenne du QI, elle est à 100. Elle est toujours à 100. C'est fixé pour, c'est par convention. Parce qu'en fait, on appelle 100 le score que les gens ont le plus obtenu. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si on disait, ah bah, à 30 ans, les mecs en France, ils font 1m74. En fait, la majorité des mecs de 30 ans en France font 1m74, je dis n'importe quoi. Et on dirait, bah, 1m74, c'est 100. Et après, on distribuerait la population comme ça. Et bah, en fait, le score qu'on a au test de QI, le score le plus reçu par les gens qui le passent, est à 100. Et donc, il n'y a que 2,3% des gens qui peuvent être considérés comme surdoués. Puisqu'en fait, ça veut dire quoi? Être surdoué, ça veut dire avoir mieux réussi le test que 97,7% des autres gens. Voilà ce que ça veut dire. Alors, est-ce que c'est vraiment mesurer l'intelligence que mesurer quatre compétences, tout à fait scolaires hein, d'ailleurs, hein, c'est pour ça que souvent ceux qui sont bons à l'école sont plus avantagés que les autres hein, là-dessus. Et est-ce que c'est vraiment faire honneur à l'intelligence que de les faire rentrer bah, dans un rang comme ça, dans une compète déjà? Bah, je suis pas certain. C'est un peu l'inverse du PIB de tout à l'heure. Le PIB mélangeait les torchons et les serviettes. Là, le QI, pour mesurer l'intelligence, en fait, il va opérer une sélection hyper drastique sur les serviettes. Il va dire non, moi je veux que les serviettes en jacquard avec un rond de serviette, puisqu'il ne prend que quatre dimensions d'intelligence, alors qu'ils sont reconnus comme tels hein, par les psychologues, mais ils reconnaissent aussi que oui, c'est quatre petites portions de ce que représente le grand fatras de l'intelligence qu'on ne sait en fait pas vraiment mesurer, ça ne prend pas en compte les compétences émotionnelles, l'empathie, l'intelligence pratique, si vous voulez, le fait d'être débrouillard, le fait de s'adapter. Voilà, ça ne mesure pas tout ça. Et donc, pour moi, ça rentre également dans cette espèce de mystification qui est, tu résumes tout en un chiffre, et donc tu es en train de m'escroquer, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment l'intelligence. Ben oui, mais tu sais, connais la phrase. L'intelligence, on se rend pas compte qu'on est con, parce que c'est avec ça qu'on mesure. Donc voilà rapidement hein, pour le quotient intellectuel. Et en plus, si vous voulez de résumer ces jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis les jeunes, mais de résumer les gens à leur QI, etc., ça masque bah, ce qu'ils sont. En fait, et tout ce qu'il y a à côté, on dit ah bah super, t'as réussi au QI, donc t'es très fort en quatre trucs. Bah non, merci, non, je suis fort en plein d'autres choses, quoi. C'est Einstein qui disait, je crois, oui bah si vous dites à un poisson rouge, non c'est comment la fin? C'est ça, voilà. Si vous demandez à un poisson rouge de grimper un arbre, il va se croire nul toute sa vie. Ben, il est fait pour autre chose et vous avez mal mesuré. Il n'avait pas besoin. Je connais pas le QI d'Einstein. Hein. Je sais pas, il y a débat. 135, 160, qui dit mieux, qui dit plus? Attention! Attention, qui dit plus? Top! Non, en tout cas, je sais qu'il avait un plus petit cerveau que la moyenne. Il était moins massif, en tout cas. Enfin. Tout va bien. Donc oui, comme je disais, en fait, quand on va renvoyer quelqu'un à son QI, ou quand on va dire que les pauvres sont au seuil de pauvreté, etc., on va masquer les gens qu'il y a derrière et on va pas parler en fait de leur réalité. Ce qui est con, hein, parce que moi, comme je vous disais au début, moi si je fais staff, c'est pour révéler un petit peu les phénomènes cachés et puis parler des invisibles. Et on se rend compte que en se focalisant sur le chiffre, en fait, on oublie totalement de parler des personnes. Ça, c'est un truc que j'ai expérimenté au cours de ma carrière quand j'ai participé au plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté.
C'était un truc inventé par François Hollande, c'était en 2013, je crois. Le plan de lutte contre la pauvreté, c'était donc un projet politique de François Hollande avec deux objectifs avoués. Le premier, de lutter contre la pauvreté, du coup vous avez bien trouvé le nom. Et le deuxième, qui était moins avoué, c'était de lutter contre la pauvreté de monsieur François Chirec, qui était débarqué de la CFDT à l'époque, c'était l'ancien chef de la CFDT. Il venait de débarquer et donc il a bien fallu lui filer un placard doré à l'inspection générale des affaires sociales, si je ne m'abuse. Et donc c'était ce mec-là qui était en charge de mener le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté. Et moi là-dedans, j'avais été missionné par la région dans laquelle je vis pour produire un petit état des lieux statistiques de la pauvreté dans ma région. Alors, encore une fois, je suis allé voir les camarades de l'INSEE, l'Institut de la Statistique, pour qu'ils m'aident à faire ce petit état des lieux. Donc on bosse. On fait des trucs bien, pauvreté, taux de pauvreté relative, etc. On essaie de regarder la pauvreté en conditions de vie, qu'est-ce que c'est que, par exemple, de devenir pauvre parce qu'on claque toute sa thune en chauffage et qu'on n'arrive quand même pas à chauffer son logement, ça touche beaucoup de personnes âgées, par exemple. Qu'est-ce que c'est que dans la précarité énergétique? Qu'est-ce que c'est que, par exemple, sortir sans diplôme de l'école aujourd'hui et comment ça peut jouer sur une pauvreté future? Donc on fait un gros truc comme ça, et puis on se pointe un jour. À la restitution. Voilà, donc on vient présenter notre état des lieux. C'était dans une petite préfecture de province. Je me souviens, c'était un jeudi, il pleuvait. Et donc on arrive, on savait bien qu'on allait être un peu chiant, un peu comme là, parce que c'est des stats, tu vois. Donc on fait un petit truc à deux, et on se dit, voilà, animation à deux, comme ça, les gens, au moins, ils auront un petit divertissement, on fait un petit numéro en même temps, quoi. Donc on se pointe, alors il y a grand amphithéâtre comme ça, il y a François Chirec qui est là, il y a la préfète qui est là, elle est devenue ministre après. Il y a je sais pas qui, là, le directeur de l'ARS. Et puis pareil, hein, dans la tribune, que du gratin, quoi. Des sous-préfets, sous-préfets de ci, sous-préfets de mi, des présidents de centres sociaux. Le gratin. Et donc on envoie notre truc, voilà, des stats, des cartes, des stats et des stats, une carte. On savait qu'on était chiant, si vous voulez. Mais là, il y a un malaise qui commence à s'installer dans la salle. En fait, on voit que les gens ne regardent plus du tout et qu'ils regardent derrière nous. Ce qu'on ne se rend pas compte, en fait, c'est que derrière, il y a François Chirec et la préfète qui sont un peu comme ça, ils se tortillent le cul sur leur chaise. Ça va pas, quoi. Et à un moment, la préfète n'y tient plus. Elle ouvre son micro, coupe la parole au directeur de l'INSEE qui était en train de parler, et elle lui fait un « Excusez-moi, vous en avez encore pour longtemps, là ?»« Non, parce que c'est très sympa, vos trucs, là, mais bon, c'est un peu hors sol, quoi, vous voyez, non ?»« Ce qui se passe, c'est que moi, en fait, j'ai invité trois femmes, trois pauvres, vous voyez, pour qu'elles viennent nous parler de leurs conditions de vie. Donc j'aimerais qu'on leur laisse toute la place qu'elles méritent. Donc merci d'abréger. » Directeur de l'INSEE, vexé comme un pou, il devient tout rouge. Et je me souviens, il avait une zapette comme ça pour passer ses PowerPoint, un truc high-tech, tu vois, pas comme nous à se galérer là, avec, à appuyer sur espace. Il avait une zapette comme ça, je me souviendrai toujours, je crois. Il balance comme ça son pupitre et il dit non, c'est bon, j'ai fini. Et il se casse. Et là, il n'avait rien fini du tout, hein. On était au milieu de la présentation, à peu près, 300 personnes devant, le mec se tient. Moi je suis là, bon, écoute, je vais y aller aussi, hein. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis tiré, je suis descendu de l'estrade, j'ai serré deux, trois pinces, et puis j'ai repris mon train, et je suis rentré chez moi. Ce qui s'est joué ce jour-là, moi je l'ai compris bien plus tard. En fait. La préfète, pour de vrai, elle s'en tapait d'écouter des pauvres raconter leur vie. C'est pas son quotidien à elle, non. Elle voulait marquer des points sympathie auprès de Chirec. Je vous dis, elle est devenue ministre après. Mais d'un autre côté, en même temps, si j'ose dire, je me suis rendu compte que peut-être que je m'étais un peu gouré ce jour-là aussi, parce que ce qui s'est peut-être passé, c'est que j'étais en train d'expliquer ce que c'était que d'être pauvre à des gens qui l'étaient et qui se retrouveraient pas du tout. Ce que j'étais en train de leur raconter. Et donc, du coup, je contribuais, peut-être, à les invisibiliser encore plus, alors que j'essayais de faire le contraire. Et en plus, je leur volais du temps de parole. Non, mais tiens, le mec cool, quoi.
C'est l'abbé Pierre qui a une chouette phrase. Alors je cite pas beaucoup l'abbé Pierre, hein, c'est contre ma religion. Mais bon, c'est vrai qu'il savait parler quand même. Le type savait écrire, hein, il savait parler. L'abbé Pierre, il a dit, le problème avec les hommes politiques, c'est qu'ils ne connaissent la misère que par les statistiques. Or, on ne pleure pas devant des chiffres. C'est vrai ça. C'est chouette. On ne pleure pas devant des chiffres. Cette phrase-là, moi, elle m'a frappé le jour de mon 25e anniversaire. Le jour de mon 25e anniversaire, je l'ai passé à Auschwitz-Birkenau. Ouais. Ouais, c'était pas l'anniversaire le plus fun de ma vie, effectivement. Ouais. Émotionnellement, c'était riche, effectivement. Non, j'étais à Cracovie, en fait, le jour de mes 25 ans, c'est juste à côté. Donc on a dit, allez, allez, on y va. Qu'à cela ne tienne. Donc on y va. Il y en a qui sont déjà allés à Auschwitz, Birkenau, non? Comment vous dire? Birkenau, c'est le grand camp qui est derrière Auschwitz. Et donc quand vous arrivez à Birkenau, il y a un grand porche comme ça, avec des rails de chemin de fer qui filent, qui filent, qui filent tout et tout au bout, il y a une espèce de grand bâtiment, très très grand bâtiment qui est une gare de triage. C'est une photo qui est assez connue. Voilà, si vous voyez un grand porche, des rails qui filent et au loin un bâtiment, bah c'est l'entrée de Birkenau en fait. Et donc, cette grande gare-là de triage est devenue un mémorial aujourd'hui. Et en fait, elle vous propose de refaire le chemin des gens qui descendaient des trains, le chemin du condamné, quoi. Donc, c'est très très long. C'est vraiment super long quand vous y êtes. D'abord, vous rentrez dans une pièce. C'est l'endroit où on leur prenait leurs bagages, leurs bijoux, tout ce qui n'allait pas leur servir, vous voyez. Et puis vous allez de pièce en pièce comme ça. La pièce d'après, c'est l'endroit où on leur prenait leurs vêtements. La pièce d'après, c'est l'endroit où on leur prenait leurs cheveux. Vous avancez encore, et puis c'est là où on leur donnait une douche, la seule certainement qu'ils avaient. Et dans la pièce d'après, encore, c'est là qu'on leur faisait leur tatouage. Et puis vous avancez comme ça. Comme je vous dis, c'est vraiment super long, quoi. Et la dernière pièce, c'est une pièce qui est immense comme ça. Moi, j'ai pas d'autre mot, c'est une salle de stockage en fait. C'est une salle où on les stockait jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour que ça justifie l'arrivée d'un garde pour qu'il les emmène dans les baraquements. Ce qui se passe, c'est quand j'arrive dans cette grande pièce finale, j'ai les jambes complètement coupées. Parce que, partout sur les murs, y a des portraits, il y a des photos de famille, tout ce que les historiens ont pu retrouver sur les gens qui étaient passés là. Et si vous voulez, j'avais bien lu dans les livres d'histoire 6 millions de juifs assassinés dans les camps. 6 millions dans un livre d'histoire, c'est un chiffre, vous pleurez pas. Mais là, en face de ces portraits, pas 6 millions, hein, juste quelques milliers, là ils ont un visage. Et là, je vous jure que j'ai pleuré. Aujourd'hui, si je me retrouvais dans la même situation avec la préfète, Chérec et les trois pauvres, on dirait le début d'un conte nul. Si je me retrouvais dans cette situation, je ferais pas du tout pareil, hein. Déjà, je resterais pour les écouter, parce que peut-être que j'apprendrai des trucs. Et puis après, bah, peut-être que je descendrais leur parler. Tout simplement, je me mettrais avec elles, je mettrais d'égal à égal, et puis je dirais, voilà, bonjour. Je m'appelle Yohann Charlier, je suis statisticien. Ça veut juste dire que je connais deux, trois techniques qui pourraient aider à faire passer un message que vous auriez envie de faire passer. Comment je pourrais me rendre utile? Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. C'est ça ma mission. Il faut que je me rende utile à ceux qui n'ont pas de voix, aux invisibles. Il faut que j'arrête de servir de la soupe à ceux qui changeront pas le monde. Il faut que j'aide ceux qui n'ont pas de voix. Bon, je fais ça. Ça, et trouver des statistiques pour faire chier le MEDEF. C'est ça ma mission. Et vous savez quoi dans cette mission?
Je me sens vachement seul. Alors, je vous ai brossé ce soir un portrait un peu à charge, des chiffres et des statistiques, en vous montrant le versant manipulatoire, mais je ne voudrais surtout pas que vous sortiez d'ici en vous disant c'est tous des pourris, il n'y a rien à en tirer. Non, c'est pas ça, y a des gens qui font des trucs vraiment super. Hein. Je pense à l'Observatoire des inégalités qui bosse et qui montre des ressorts d'inégalité. Il y a des statisticiens et des statisticiennes qui travaillent sur les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes et qui bûchent et qui démontent, si vous voulez, les mécanismes de ça. Ça, c'est super important. Il faut qu'on garde ça. Il y a des associations aussi qui font du taf. Regardez des mecs qui sortent de nulle part, Jacques Toubon. Vous vous rappelez de Jacques Toubon? Personne ne s'en rappelle de ce mec, un petit chauve raclure de droite. Eh ben, sauf que ce mec, quand il était défenseur des droits, la dernière semaine de son mandat, il l'a passé à courir les plateaux télé, les plateaux radio, à dire que, ouais, dans ce pays, les jeunes noirs avaient 20 fois plus de risques de se faire contrôler par les condés que les jeunes blancs. Le mec a fait le boulot, quoi. Et il ne faudrait pas que ça reste de lettre morte. Il faut qu'on s'en saisisse et qu'on fasse quelque chose. Regardez les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils ont eu une super tentative de réappropriation de l'outil statistique. Vous savez ce qu'ils ont créé? Ils ont créé un truc, c'est génial, ça s'appelle le nombre jaune. Le nombre jaune, en fait, c'est leur propre organe de recensement à eux. Ils savaient bien qu'ils ne pouvaient pas compter sur les flics, ni même sur les syndicats d'ailleurs, pour les dénombrer. Alors ils ont inventé leur INSEE à eux. Ça, c'est une chouette réappropriation. Il y a très longtemps, la CGT produisait son propre indice des prix. Pour parler de l'inflation. C'est la CGT qui faisait ça. Et ils discutaient avec l'INSEE, ils faisaient un truc qui était, de l'avis général, mieux branlé que ce que faisait l'INSEE. Ça, c'était un super abouti, et au service des collectifs et des luttes et des citoyens, en fait. Donc voilà, il y a plein de gens qui font des choses super, et j'aurais aimé vous donner des petits chiffres à utiliser comme ça, comme des grenades à dégoupiller à la gueule du système. Mais ils vendent pas de grenades au Super U à Aiguzon. Donc, on va lancer l'opération Ballon de Baudruche. Alors, il y a peut-être des féministes dans la salle ou des gens juste conscients qu'il y a un problème. Ça, 101, c'est le chiffre des féminicides de cette année. Alors le chiffre est d'hier, hein, en l'occurrence, aujourd'hui il y avait des journées de manifestation un peu partout. Et elles ont malheureusement dû actualiser le chiffre hier. Donc on en est à 101 féminicides en 2021, et l'année n'est pas terminée, messieurs, dames. Ça signifie qu'il y a 101 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Ça veut aussi dire qu'il y a 101 mecs qui ont tué leur conjointe ou leur ex-conjointe. Hein, on est d'accord, on peut le voir comme ça aussi. Et bien ça, c'est pas le ministère de l'Intérieur qui produit ce chiffre-là. C'est même pas le truc à l'égalité, Marlène Schiappa, là, je sais pas quoi. Non, non, ça c'est des associations, c'est des militantes de terrain, des féministes, qui font le calcul. Et elles connaissent le truc, l'abbé Pierre, la phrase. Elles font pas seulement que dénombrer, elles leur redonnent des prénoms, des visages et une histoire pour qu'on les oublie pas et pour que ça reste pas juste un décompte macabre. Voilà. Donc, ça c'est un truc chouette et j'ai envie de vous le passer. Que ce chiffre baisse déjà, et puis pour qu'ils puissent continuer leur travail. Je vous le passe. Ça fait un petit moment qu'on n'entend plus parler de violence policière, mais pourtant ça s'arrête pas. Hein. Il y avait un monsieur, il s'appelait David Dufresne, qui a fait pendant 2 ans, depuis la première manifestation des Gilets jaunes jusqu'à 2 ans après, un décompte de toutes les violences policières, et en 2 ans, il en a compté 561. Attention, hein, des gros trucs. Hein. Main arrachée, œil arraché, on n'est pas sur des petits trucs. 561 en 2 ans. Imaginez le délire, la boucherie que ça a été. Bah ça c'est pareil. Hein. C'est pas le ministère de l'Intérieur, hein, vous pensez bien, hein, qui fait ce décompte-là. Hein. Non, c'est les militants de terrain qui faisaient remonter à David Dufresne. Et ils faisaient un signalement automatique au service de l'IGPN, même si on le sait, hashtag l'IGPN n'existe pas. Voilà. Donc. La prochaine fois qu'une grosse merde de type Darmanin ou Cacastaner vous sort « Ah ben non, les violences policières, ça n'existe pas », et ben voilà, on lui ressort ça, et peut-être que ça rentrera dans sa petite caboche. Je vous le passe. Et pour finir, messieurs, dames, parce que Macron, il a dit que
Bon, là, ils nous laissaient tranquille avec la réforme des retraites, mais que s'il y repassait, on allait bien se la manger. Alors ça, ce chiffre, je l'aime beaucoup, parce que pour le coup, c'est pas des militants de terrain, c'est pas des David Dufresne qui le font, c'est l'INSEE. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus officiel, donc les mecs le savent. Et 6 ans. 6 ans, c'est l'écart d'espérance de vie qu'il y a entre un homme cadre et un homme ouvrier dans ce pays. En moyenne, un homme cadre vit 6 ans de plus qu'un homme ouvrier. Donc la prochaine fois qu'un gros débile de type gouvernemental vous dit « Ah bah non, c'est quand même plus juste que tout le monde parte à la retraite en même temps », il suffit de lui mettre ça dans la tête. Et puis peut-être que, bah, peut-être qu'il comprendra. Au pire des cas, nous, on sera là pour lui faire passer. Bon, j'en ai pas pour tout le monde, malheureusement. Allez, si j'en ai une dernière. Ouais, mais quand on bosse avec des accessoires, faut répéter, tu vois. Pas comme là. Allez, là-dessus, j'ai envie de vous le passer pour qu'on puisse écrire ce qu'on veut, ce que vous voulez, ce qui vous semblera utile pour un sujet qui vous tient à cœur ou pour une lutte qui serait essentielle. Voilà, vous pourrez écrire ce que vous voulez, je vous le passe. Parce que vous voyez, c'est ça. On a le choix. On a le choix maintenant qu'on a appris un petit peu à se désintoxiquer de la langue de bois, des manipulations et à repérer les petits trucages. On a le choix de continuer à écouter les stats manipulés ou d'essayer de forger les nôtres, d'essayer de faire des trucs pour nos luttes. Voilà, on a le choix. Et puis, la prochaine fois qu'un Macron ou je ne sais qui là vous dit, oh, mais non, les chiffres sont têtus, monsieur, on le dira, mais c'est toi, t'es têtu. Non, c'est les liens, les chiffres. Tes calculs sont pas bons, Manu. On a le choix. Vous avez le choix. Nous avons tous le choix. Choisissons bien. Moi, je reprends mon métier de statisticien. Merci, vous avez été super. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup et merci d'avoir été là et d'avoir bravé le brouillard. Vous êtes tous des survivants. Ouais, moi non plus. Voilà, merci aux gens sur Twitch de nous avoir suivis également. Voilà, bah, moi c'est Yohann Charlier. Oui, merci aux 27, effectivement, de nous avoir accueillis ce soir, et puis bah, de continuer à faire vivre aussi le spectacle vivant, que ce soit les musiciens ou les saltimbanques un peu comme moi qui font des trucs borderline. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Voilà, bah, moi c'était Yohann Charlier. Vous pouvez me suivre voilà, sur une chaîne YouTube que j'ai montée qui s'appelle Parlons Chiffres, ou en petite capsule vidéo, voilà, je fais à peu près le même travail qu'ici, mais sur plein de sujets, des sujets d'actu. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée.